c'est pas une conclusion. C'est jamais une conclusion, parce que la vie continue tout le temps. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, de dire aux gens, au mouvement, par rapport à toute l'expérience que tu as vécue, comment tu verrais les choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pas faire, je sais pas, quelque chose qui vient de toi, quelque chose, ce que tu as envie de dire, quoi. Je te remercie d'abord, je te remercie et je vous remercie du fait de dire c'est jamais la fin, parce que si tu penses que c'est vraiment la fin, ça te prend une angoisse, tu essayes de prolonger. Et après, bon, on pourrait dire que c'est un autre aspect, autant que ce que j'appelle le contraire, qui est un autarchique comme Nanni Moretti, être un empathiste paroxystique, ça peut être aussi quelque chose qui tient d'un agencement névrotique de la personnalité, chacun la sienne. Mais cette espèce d'horreur de pouvoir dire « Ah, c'est fini !» Et c'est fini, donc ça fait penser vraiment à la mort. C'est achevé, c'est comme achevé, le coup de grâce. Et punto final, comme on dit. Alors, c'est bien dire que c'est jamais vraiment la fin, comme le dit Deleuze, du dernier vers de l'alcoolique, que c'est toujours, en réalité, ça devient immédiatement avant-dernier, avant le premier vers du matin après. Et puis, je dis que ces choses-là, c'est pas tellement une folie de ma part, parce que, par exemple, il y a mon ami Renato Curcio, qui maintenant, il fait des... font une maison d'édition qui s'appelle Sensible Feuille, qui est plus qu'une maison d'édition, c'est trois groupes de recherche qui publient leurs travaux. Et lui, il s'occupe des modifications du travail et il fait de la... ce qui s'appelle, c'est un peu même dans une définition un peu disciplinaire ou antidisciplinaire, de la socio-analyse. Un peu au sens de Georges Lapassade, etc., socio-analyse narrative. Et il fonctionne en créant un groupe, en commençant par le fait que chacun choisit une histoire. Alors là, pour moi, ça serait compliqué. Et il raconte son histoire, et puis tout le monde il s'exprime sur ça, et puis il y a un passage à l'écriture. Mais la recherche, il la considère par définition pas terminée, autant qu'il conçoit une recherche dans laquelle les commanditaires, ça pourrait être toi, moi, et les chercheurs, les socio-analystes, ils ne sont pas en dehors, dans l'obscénité, hors de la scène. Ils sont aussi mis en scène, objet de discussions, donc c'est réflexif. Mais l'autre, si tu veux, règle du jeu, c'est que quand il publie les matériaux, c'est pas que c'est classé et fini, ça se termine jamais, ces chantiers, cette espèce d'atelier, d'assemblée socio-analytique. Félix dirait schizo-analytique, etc. Socio-schizo-analytique. Donc nous, on va pas terminer, peut-être on se retrouve à Rome, dans des situations qu'on envisage. Mais je me permets de dire, étant donné ces caractéristiques, que je vais vraiment, c'est pas formel, exprimer une sorte de gratitude pour ce petit groupe qui s'est formé. Donc d'abord, le provocateur de tout ça, c'était Giuseppe, et puis par le truchement d'Eleonora, sa fille, on s'est rencontré avec Endero, Cyril, puis Victor qui a fait une apparition. Donc, il s'est recouvré de contrefaçon, contrefeu, contrefeu, pas contrefaçon, contrefeu et autoproduction. Parce que ça, à moi, m'a permis, je suis un peu dans la parole, alors, de
On a tourné, je pense, jusqu'à maintenant 14 heures, le dimanche matin, et pour moi c'était des rayons de soleil. Mais parce que c'était, et ça c'est les mairies à Joseph, une chose un peu ordonnée par moment, presque sur question-réponse. Après, ça pouvait être même très long, mais tu sais, tout maître d'école des roues, qui est modeste dans ses savoirs, non, le maître ignorant, il y a le livre des anciens, c'est que pour essayer d'être clair et simple, comme il est demandé, on ne peut pas être en même temps bref, rapide et synthétique. Parce que bref, il y a des trucs géniaux. E égale mcd, la formule de la relativité d'Einstein. Elle est hyper bref. Mais combien d'années peut-être il a mis, lui, etc., pour parvenir à ça? Et surtout, pour moi, ça ne me dit pas grand-chose, puisque je suis ignorant, notamment la matière. Et, ou alors, une phrase admirable, prolétaire de tous les mondes, unissez-vous. Mais pour arriver là, ou alors des énigmes, connais toi-même, je sais que je ne sais rien, ou des aphorismes magnifiques, mais souvent c'est des énigmes. Donc, pour essayer de dire quelque chose de compréhensible, ou alors on fait de la poésie hermétique, mais il faut être long. Donc j'ai pu, je pense, m'exprimer, pas parce que je pense d'avoir, je ne sais pas, apprendre je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais au moins m'expliquer au sens d'avoir un peu la sensation, comme dans un examen, souvent les gens posent des questions, mais tu as la sensation que tu ne les poses pas vraiment pour avoir une réponse et après peut-être débattre d'une façon même très controversée, réfléchir ensemble, mais parce que c'est comme un prof qui t'interroge. Lui, il présume de savoir déjà la réponse. Ou le flic, comme faisait l'exemple l'autre fois. Et par contre, là, donc, expliquer, c'est pas donner une leçon, mais m'expliquer, vu que les gens te demandent toujours presque de te justifier, les examens ne finissent jamais, comme disait. Mais à un certain moment, il faut peut-être qu'ils finissent, et pas les jours de ta mort. Donc, j'aime bien, et il y a un truc que je voulais dire, qui est un peu différent que tous les autres centaines, probablement, je ne sais pas, milliers d'heures que je me suis trouvé à tourner ou à dire à des radios, qui en partie on a, en partie sont un peu perdus comme des paroles au vent, ou en partie ils ont été utilisés dans des films, dans des choses. Mais qu'est-ce que c'est le pire? Que en l'occurrence, ils ont été un peu utilisés, dans les cas les meilleurs, pour ramener l'attention sur un personnage. Qui personnage interprète? C'était moi-même, mais c'est pas ça mon truc. Il y a deux, trois films qui ont été faits et j'ai blagué, peut-être j'avais tourné 12 heures, on avait sorti 30 minutes et puis c'était passé quelque part. Et puis par exemple le journal Il Manifesto avait fait des louanges extraordinaires en disant que c'était une révélation. Et moi j'avais dit, ah voilà, maintenant la dernière trouvaille pour ne pas écouter ce que j'ai dit que vous n'aimez pas, c'est dire que oh là là, j'ai un talent d'improvisateur, d'acteur, etc. Donc vous pensez que comme ça, quand je serai grand, je ferai l'acteur, chose qui ne vous gêne pas, mais moi, ce n'est pas ça mon truc, sortir une performance. Donc si on parle de toi, bah, c'est mieux. Si on dit bravo au lieu que tu aies lancé des tomates, mais c'est décevant parce que tu n'étais pas là pour faire une performance ou pour gagner un concours d'improvisation, sinon on ferait du slam, je ne sais pas. C'était pour attirer l'attention sur quelques contenus. Très bien content s'il est décortiqué, pris en examen et réfuté. En plus, il s'est réfuté, comme souvent, ça c'est des trucs angoissants qui m'obsèdent. Eh bien,
Et que si on te dit, mais non, mais ça, c'est déjà vu, il n'y a rien d'intéressant, bah, au moins ça te console. Et donc, je voudrais encore profiter de ce truc, de ce matin, comme si c'était un peu dire des choses d'une façon un peu testamentaire. Oh, je ne veux pas donner dans le tragique, je n'ai pas le sentiment de dire. Bon, je suis en train de finir ma vie, comme quand on te dit parler maintenant, c'est le dernier mot avant qu'on prononce la sentence dans un procès, ou alors vous pouvez déclarer quelque chose devant un peloton d'exécution, c'est comme la dernière cigarette. Je ne veux pas donner dans une espèce de mélodrame. Non, c'est simplement un truc plus petit, je le disais avant. Je m'excuse éventuellement de me répéter, mais c'est. On dit partir et un peu mourir. Je me rappelle quand j'étais préadolescent, comme on dit, 14, 15 ans, 16 ans, à la jeunesse communiste, que les copains plus vieux que moi devaient partir pour le service militaire. Ils étaient souvent des ouvriers, donc ils ne pouvaient pas reporter. Et s'il n'y avait pas la possibilité, si tu voulais faire l'objecteur, tu partais à la prison dure. Et c'était un an et demi de service militaire. Et on avait la sensation d'une espèce de tristesse. Le type devait tout quitter, ses affects, sa copine, ses camarades, etc. Et c'était comme se lancer dans un tunnel un an et demi, ça faisait long. Après, bien sûr, ça passe. C'est différent que la prison, parce que la prison, d'habitude, tu ne te l'attends pas. C'est pas un départ annoncé, tandis que militaire, ça commence avant, tu sais déjà que le jour partira. Moi, j'ai un petit truc de ce genre, rien qu'un an de bithérapie pour une hépatite C qui dure depuis 30 ans, quand j'étais opéré à la prison pour une transfusion. Il semblerait que si je ne me décide pas, c'est vraiment une roulette russe. Donc, je pense que je peux plus reporté plus tard que le mois de mars, avril, etc. Alors, l'idée de pouvoir, ça m'embarrasse, c'est pas que tu laisses une espèce de testament parce que ça ferait grandiloquent, non, mais au moins arriver à fixer des trucs sur les questions. Si je suis honté toujours, dans ma vie, franchement, c'est pas seulement par parti pris d'être contre le sentiment de culpabilité qui est de la merde, parce qu'en plus, quand tu te sens coupable, tu finis pour respirer, d'exporter cette culpabilité et culpabiliser quelqu'un d'autre. Et plus souvent, il y a des formes de culpabilité qui ne sont pas bonnes. Si j'étais né dans la région des Grands Lacs, à Lubumbashi, ou je ne sais pas où, dans d'autres endroits où se passent des choses terribles, je pense que, en plus que la haine pour ma condition, pour le régime qui régit le monde, pour le système monde, et pour tous les oppresseurs, les exploiteurs, toute la chaîne, etc., j'aurais aussi, franchement, je sais que ça peut être cruel, mais je sais que je me dirais qu'en plus que tout ça, il ne manquait que les blancs culpabilisés que d'être blancs et qu'ils veulent endosser le rôle de la victime à tout prix et donc ils sont victimes par procuration. Ils se sentent donc culpabilisés en tant que blancs, plus blancs que les blancs, plus exploités que les derniers exploités. Ils ne le sont pas, mais ils endossent les dispositifs. Alors là, ça ne manque que ça. Et donc, je n'ai pas franchement de remords pour le peu que j'ai fait dans ma vie. Par contre, j'étais toujours hanté, peut-être c'est toujours la question de tempus fugit, l'idée de c'était aller tout arrêter, d'être comme quelqu'un un peu échappé au fait d'être mort-né, je ne sais pas. Hein. J'ai beaucoup le sentiment et le regret et le remords de ce que je ne suis pas arrivé à faire.
Camus dit que en définitive, le seul vrai faute, entre guillemets péché, c'est le péché d'omission. Quand tu es inadempiente, que tu as la sensation de n'avoir fait que millième partie de ce qui aurait été bien, qui aurait été nécessaire, que tu aurais désiré ou considéré. Et donc, par exemple, pourquoi c'est différent, cette espèce de cycle qu'on a fait? Parce qu'on a pu mettre en clair quelque chose. Après, je ne sais pas, tout peut se perdre, etc., sans laisser des traces. Mais c'est important l'occasion que vous me donnez de fixer des choses, parce que même dans les dernières périodes, petit à petit que s'approche cette date comme dans le départ, de partir pour un tunnel d'un année dans lequel tu peux devenir un peu comme un légume, comme quelqu'un qui est en chimiothérapie ou comme quelqu'un qui a une dépression gravissime, c'est pas de la tarte. Hein. Et j'aurais voulu au moins répondre à quelques si tu veux, sollicitations, etc. Mais comme quand je pars dans l'écriture, ça se dilate et au lieu d'avancer, ça marche en crabe dans toutes les directions, et qu'entre-temps, il y a toujours le présent qui arrive et qui s'impose comme priorité. C'est comme les plus égaux que les autres, il y a toujours le plus prioritaire que l'autre. Donc c'est l'instrument visible de ça, c'est les téléphones réels qui sonnent, qui t'attrapent vers quelque ailleurs. Et aussi quand ils ne sont pas, tu as les petites voix dans la tête que tu devrais rappeler, celui-là, celui-là, celui-là. Et donc c'est très difficile. Parce qu'ici, ce n'est même pas Achille et la tortue, c'est comme si la tortue, dans les 10 jours, 15 jours, qu'il y a devant lui, il pouvait rattraper ceux qui n'ont pas arrivé à terminer dans des mois, etc. Donc l'idée de pouvoir couper court et faire une espèce de radio restée, comme dire, bon, je suis là, je laisse... par rapport à des choses qu'on avait dit, qu'on aurait fait ou pensé ou repensé ensemble, je suis là, c'est des bribes, c'est des trucs un peu esquissés, et bien ça me donne un peu plus une possibilité de respirer. Si on peut commencer après cette... pré-générique, je commencerai d'abord avant ce que j'aurais à dire, que j'essayerai de dire, mais en état un peu plus bref que d'habitude, mais on ne sait pas, c'est que quand même il y a toujours une chose du jour qui prend le devant. Et la chose du jour, je pense, on le prend comme prétexte pour faire allusion à quelque chose, c'est que ce qui s'est passé à Rosarno, en Calabre. Je pense qu'il y a du relativement nouveau. Il y a un oxymoron d'un poète qui dit qu'il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui dans le soleil, ou plutôt d'ancien. La révolte, on pense toujours à Spartacus, etc., c'est pas nouveau, heureusement. C'est comme l'instance d'une communance, d'une communauté, de ce qu'on aurait pu appeler communisme avant tous les détournements du terme. C'est comme la faculté de parler, comme la liberté, c'est pas qu'ils sont datés, qu'ils naissent un jour. On peut pas. La puissance au sens de Spinoza, tu ne peux pas dire que ça commence à exister un certain jour. La faculté de la parole ou l'énergie humaine, ça existe et, au fond, et ça
bien à la surface périodiquement, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On connaissait déjà des épisodes de terribles de pogroms contre des immigrés, de la même nature de ça qui s'était passé. Bon, il y a eu les lynchages, il y a eu tout, non, dans ce qu'on appelle l'histoire. Mais je dis, pour dire des trucs relativement récents et locaux, beaucoup de monde entre nous connaît ce qui s'était passé au début du XXe siècle à Aigues Mortes, une espèce de pogrom d'immigrés ritales, qui étaient perçus comme des gens qui venaient ici, il y avait tous les stéréotypes, et qui faisaient l'objet, malheureusement, d'une haine populaire. Il y a des journaux de la SFIO qui a tissé cette espèce de haine qui prenait un prétexte même de classe en disant l'État il vient ici, c'est un peu l'armée des salariales de réserve, il vient ici, il travaille pour rien, ils font pas grève parce qu'ils sont trop miséraux, tu sais, à un certain moment. Tout ça, ça fait un mélange explosif. Il y a eu quelque chose de pareil en Espagne, dans le sud, je ne me rappelle plus, il y a 7-8 ans. Et il y a eu une quinzaine d'années à Stornara, dans les Pouilles, une espèce de soulèvement populacier, de guerre, de, je sais pas, entre les pauvres, de pauvres contre les encore plus pauvres. Il y a eu à Villa Literno. Il y a eu, et cette fois, c'est passé un peu différemment. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Que à Rosarno, là, dans ce type de situation, il y a beaucoup d'immigrés subsahariens qui font une vie inouïe à nos latitudes en plus. Qui travaille 12 heures par jour, il y a la chiamata, no? Ils sont sur la place, on choisit chaque jour le caporal qui embarque sur les camions, ils sont amenés à recueillir des pommes de terre, je crois, à Villa Literno c'était des tomates, et ils sont payés 20 euros par jour, ils vivent dans des conditions pires qu'à la guerre. Et donc c'est une situation inouïe. Après, il y a les petits agriculteurs qui disent « Mais nous, on ne peut pas payer plus parce que nous sommes payés, je ne sais pas, 7 centimes par kilo. » Et puis, et c'est des trucs qui arrivent au marché très cher. Et puis, tout le monde rejette la responsabilité sur ce cycle infernal. Il y a aussi du vrai, c'est un cycle infernal qui domine tout le monde. Mais les conditions sont atroces. Et en plus, quand ils ressortent cette espèce d'affirmation qui est de fausse conscience, d'aliéné, qui est de dire « Ah, les types, ils nous font de la concurrence déloyale, les subsahariens, quelle concurrence ?» Qui irait à faire ce boulot pour des chiffres comme ça? Mais disons, évidemment, c'était passé que quelqu'un commençait à relever la tête, parce que c'était comme une marmite comprimée. Et donc, après, ça prend la tournure identitaire, culturelle, chez nous, etc. On le sait, ça c'est le fond. Dans lesquels ça s'exprime les racismes de tout type. On n'est pas de belles âmes qui pensent que le racisme c'est une pure invention de blanc. Mais celui-là, ce qui nous intéresse, c'est voir l'aspect de guerre sociale, de lutte des classes, des questions sociales, on avait dit qu'elle est là-dedans. On ne va pas faire comme des maîtres d'un marxisme classique qui dit. Toutes les luttes de classe, ça n'existe pas, les questions d'identité, de religion, de passion, non. Mais on ne va même pas faire le contraire. Oh non, l'aspect lutte de classe. Il y avait un camarade que tu connais l'autre soir qui expliquait rien que
canzone Experience di Jan Van Tendanen a un'usine di Peugeot, je sais pas, di travail à la chaîne. Et ben, il n'y avait pas cette espèce de guerre d'opinion. On prend la chose au point de vue de la lutte des classes, ou on prend la chose du point de vue des indigènes, les colonisés, etc. Il disait, c'est les deux choses. Si tu voyais comment ça fonctionnait une usine classique de taylorisme rampant, et tu voyais un certain pourcentage de blacks qui avaient comme destin probablement de rester en bas de l'échelle au point de vue salarial, et puis il y avait les maghrébins qui étaient les gros, qui avaient été à peine plus, et plus l'encadrement c'était blanc, les contremaîtres et tout. Donc là, l'aspect racialiste, c'est parfaitement organique à toutes les formes de contrôle, de segmentation, du sujet exploité ou pas. Donc les deux choses se couplent, non? C'est un autre couple de voyants, de raisonnement. Bon, alors là-bas, évidemment, il y avait eu des... Après, bien sûr, il y a les fantasmes, les pères, les délires, comme le disent Deleuze et Guattari, cosmiques et tout, mais il y avait probablement un problème de mettre au pas des gens qui peut-être commençaient à bouger un peu. Et donc, il y a eu une nuit, après beaucoup d'épisodes de ces gens, quelqu'un a tiré des balles, des trucs, je ne sais pas exactement contre les dortoirs, contre des travailleurs immigrés, clandestins, etc. Et ça je trouve important, au lieu qu'encaisser, au lieu qu'avoir les suivis de tout type, de s'enfuir et puis laisser les belles âmes citoyennistes ou prêtres dire que c'est affreux, qu'on exploite, on tue, etc. Les gens, non. Là, ces gens, ces exploités, ces immigrés, ces clandestins, ces subsahariens, ils se sont révoltés et ils ont formé un cortège. Ils ont traversé la ville et je ne vais pas jouer, probablement c'était comme ça se passe dans les paliers, c'était l'explosion de la rage, et ils ont beaucoup cassé, etc., brûlé des voitures et tout. Moi, franchement, ce n'est pas pour avoir l'esthétique de la violence. Je pense que les jours qu'il n'y aura plus ça, ce sera vraiment vers la fin de cette espèce, et que c'est vital, c'est sain, que cette vitalité désespérée, qui est la forme élémentaire d'une puissance de vie, ça explose. Ça peut être pas sympa, c'est comme Bronte, c'est comme... Et il peut se passer, on le sait, dans tous ces mouvements, tellement il y a une rage qui explose, je ne veux pas faire du micro-négationnisme, il peut se passer celle que les autres, quand ça se passe de leur part, ils appellent des bavures. Mais fondamentalement, moi je trouve que c'est positif, sans commune mesure, le fait qu'il y a eu révolte et que la seule possibilité de cette révolte pour pouvoir respirer, ça devait être dure, même en l'occurrence violente. Après, bien sûr, il n'y a pas seulement... La police, j'ai l'impression qu'il est allé relativement mollo. Par contre, il s'est produit et s'est déchaîné, ce qui est douloureux, que à cause de quelques frictions qui s'est passées, mais une grosse partie de la population a commencé à faire des barricades qui s'est retournée contre les subsahariens et qui se sont passées des journées très dures à trois forces dans les terrains, les flics, les calabrés du bled et les immigrés. Or, ils ont fait des barricades pour... Pour isoler les Africains. En disant ils ont brûlé nos voitures, tu sais. Je ne veux même pas diaboliser les gens du terrain. Je pense que c'est différent que dans ce merde des communes légistes du Nord, dans lesquelles les troupes les plus populaciers
c'est pas une forme de guerre entre les pauvres, c'est plutôt des petits patrons, des classes moyennes qui cultivent la peur et qui en même temps savent très bien que toutes leurs petites boîtes, etc., les jours qu'il devait y avoir les vieux rêves d'une grève de l'immigration, il tomberait dans la crise. Donc la base est un peu différente. Évidemment, les idées qui circulent, c'est les pires, c'est des fantasmes, c'est pas des choses vraies, non? Ah bon, ils nous volent notre pain, etc. En même temps, tout le monde essaye dans le petit théâtre de la politique officielle de mettre la chose sur le compte que le phénomène de la mafia. Bien sûr, certainement, qu'il y a des réseaux camorristes, des mafias qui ont affaire avec le fait que les petits producteurs ne payent rien de tout et que les produits arrivent très chers sur le marché. C'est sûr, même peut-être les gens qui ont tiré contre les immigrés au début, c'est sûr. Mais le problème, c'est est-ce qu'on considère ces réseaux mafiosos, dans le cas dranghettiste ou camorriste, suivant les lieux, comme un produit de maléfice, ou c'est la forme locale du capitalisme, ou c'est la forme locale mélangée d'une façon évidemment conflictuelle, mais c'est le même système avec la légalité, les flics, etc. C'est ça le problème. Bon. Les camarades en Italie sont en train de bouger. Il y avait un tract des Anars qui était un peu littéraire, ne faisait pas de propositions, mais c'était bien, je trouve. Il y a les camarades antiracistes de Milan, les camarades de Naples, les gens de Calabre qui sont en train de s'organiser. Il faudrait peut-être aller là-bas, dans ces lieux, même provoquant des bagarres. Il y a ceux qui agissent très fort. Et moi, je ne veux pas, bien sûr, tout le monde, les politiciens parfois, ils peuvent tenir un bon discours simplement pour question de boutique et pour offrir de la représentance et gagner des voix. Et les prêtres, ils peuvent le faire pour faire du prosélytisme pour leur dire. C'est vrai que l'Église catholique, pas seulement un certain type de prêtres qui sont de frontières, mais même la hiérarchie, etc. Ils ont tenu un discours dur en disant, bon, c'est vrai, c'est pas la violence, c'est toujours ajouter du mal au mal, mais il y a des raisons, c'est inadmissible, c'est des conditions inacceptables, c'est une violence terrible, celle du rapport social qu'on a avec les immigrés. Ils sont montés au créneau et on ne va pas cracher dessus. Chacun jouera ses trucs. Nous n'avons pas opinion sur eux, ni comme politicien, ni comme prêtre, mais bon, ça existe. Par contre, un truc insidieux qui commence à se présenter, c'est tout un discours qui, ça semble un peu les discours qui tenaient bras quand ils voulaient démembrer les foyers, les trucs, qui justement pour éviter ces agressions contre les immigrés, il faut créer des espèces de la guerre. Comme quand on envoyait les réfugiés qui venaient d'Espagne après la guerre civile, on les foutait, soi-disant, les fronts populaires disaient, pour les protéger, au camp du Vernet, etc. C'était des rétentions de la concentration. Donc moi, je pense que cela, autant que les révoltes dans les centres de rétention, il y a eu 25 ici, il y a eu via Corelli et d'autres à Milan. Ça devrait être le point de vue avec lequel nous regardons quelque part dans la question des nouvelles formes d'exploitation au niveau planétaire et des embryons de lutte, de révolte de classe, de révolte sociale, etc. Et donc, ce n'est pas qu'on veut réduire
cette immense question de la migrance dans la globalisation, etc., au centre de rétention et en révolte. Mais c'est l'angle d'attaque que je pense est porteur pour considérer la question, c'est-à-dire une véritable guerre sociale planétaire. Et là, il y a beaucoup d'équivoques. Moi, je pense que sont intéressants tous les éléments, mais je ne le dis pas d'un point de vue doctrinaire, qui renvoient au fait que les gens s'insurgent et que par contre, tu sais, il y a des approches différentes parmi les camarades. Il y en a qui considèrent que donc les choses les plus lointaines et inacceptables pour nous, des résurgences dans un remake post-moderne des traditions culturelles, des hiérarchies, des trucs, ou alors certaines formes d'État existants ou futurs, avec ces hiérarchies et ces despotismes, quand même c'est bien parce que c'est une forme qui exprime et traduit la révolte. Moi je pense que c'est des formes de diversion, et que gueuler pour tous les adminagèdes du monde, c'est pas du tout, ça va pas dans le sens, si tu veux, d'une subversion sociale, de libération sociale, c'est plutôt un détournement, comme ça a été toujours. C'est comme les pogroms, c'est comme. Et que il faut par contre, dans une révolte comme Rosarno, c'était à nu. Il n'y avait pas de trucs, les gens ne gueulaient pas d'une façon aliénée pour quelques dieux, ou dieux en terre, ou patrie fantasmée, ou identité, etc. Ils gueulaient sur une condition nue de vie. Et de rapport de révolte contre l'exploitation, l'oppression, l'humiliation, etc. Alors ça, je pense que ça nous donne l'élément relativement nouveau pour la période, c'est ce geste fort de se révolter, sans lequel vraiment il n'y a que quelque chose de mortifère. Les jours qu'il n'y aura plus, on est déjà des zombies. Alors, tu sais, moi je me souviens d'un truc en reste là, ça me fait penser, il y a dans les années, je ne sais plus, 77 ou après ou un peu avant, je ne me rappelle plus. Et comme j'allais souvent à Gênes parce qu'il y avait la sœur de ma mère, donc j'allais voir ma tante. Oui. Là-bas, et donc j'avais côtoyé des camarades militants, et je leur disais, il n'y avait pas encore toute cette immigration en Italie. L'immigration, on peut dire qu'elle est assez récente en Italie, ça fait combien, 15 ans que ça commence à venir, 15 ans, donc après une proportion plus grande. Et je disais aux camarades, faites attention, parce que nous l'immigration en France, on la connaît, ça a permis de diviser la classe, quoi, les gens entre eux, etc. Et faites gaffe à ce phénomène, parce que ça peut se reproduire aussi chez vous. Parce que c'est toujours la concurrence du marché, de l'exploitation, etc. Et vous risquez de vous trouver divisé. Alors comme on a connu... Par ligne dite de race. Race, de travail, de je sais pas quoi, de fantasme, etc. Ça risque d'arriver là aussi. Et quelque part, tu peux te dire, est-ce que cette mondialisation, ce marché ouvert, parce qu'il est complètement ouvert... C'est comme un marché du travail, c'est-à-dire marché de la marchandise, force de travail, planétaire, mais est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que ça n'a pas été aussi une manière pour les patrons de dire comment casser toutes ces révoltes, tout ce qu'on a pu, ou tout ce que nos anciens ont pu gagner pour casser tout ça, je veux dire. Oui, mais c'est évidemment, c'est un des aspects, c'est comme toute la révolution technologique, toutes les formes. Mais cette espèce de machine infernale, qui c'est comme le train de Cassandra Crossing, d'ailleurs, c'est la nature du système capitaliste qu'au début ça semblait faire des miracles, et qu'il y avait du côté du cul, que c'était avec un prix de violence sociale immense.
Allora, ça semble quelque chose de miraculeux pour s'attaquer au problème, entre guillemets, éternel de la pénurie. Mais l'idée d'une machine en marche qui ne peut jamais s'arrêter, parce que tu vois, par exemple, par rapport à la catastrophe écologique, c'est très pertinent ce qu'ils disent Latouche sur la décroissance. Mais à part la difficulté immense de pouvoir faire pénétrer cette espèce de vie, mais c'est que, ou bien tu poses la question que la dite décroissance, l'arrêt de tous ces délires, dont le portable, c'est un symbole, avec cette espèce de double bind continuel des gens qui te dit que les portables va te brûler les neurones et que tu lui demandes mais comment tu le sais, il te dit je l'ai lu dans internet et en même temps il s'achète toujours le nouvel modèle de portable qui maintenant permet de réunir toutes les fonctions, donc il l'achète parce que peut-être en disant que c'était mieux quand ça n'existe pas, puisque tu n'as plus une conversation détendue, il y a toujours une priorité de l'effet qui arrive. Ça serait une communication en temps réel entre tout le monde et tout le monde, mais ça casse la communication directe corporelle. Tout le monde, il serait en communication, ça revient au fait que dans les autobus, dans les métros, chacun il a un truc à l'oreille et il est toujours ailleurs. Donc tu discutes, je ne sais pas, tôt ou tard, les gens feront l'amour, mais il sera ailleurs en parlant avec quelqu'un par téléphone. Et donc en même temps, ça atomise encore plus. Ou, en tout cas, c'est un truc très ambivalent et même ambigu. Et après, il y a une ambivalence personnelle que je connais beaucoup de monde qui sont à la pointe de l'angoisse de toutes les informations qu'après il faudrait voir, en partie fondées, en partie c'est de la fantasmatique. Et en même temps, ils sont les mêmes qui apprennent tout ça par le même type de dispositif et qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus parce que ça devient un luxe d'aristocrate aujourd'hui ne pas avoir le portable. Et en même temps, donc, c'est comme une machine, un capitalisme décroissant, c'est impensable, puisque l'essence du dispositif capitaliste, non, la mise en branle des esprits animaux, comme le dit Adam Smith dans La richesse des nations, les animal spirits, qui est très naturel, c'est le fondement de ce que ça serait la guerre entre tous et tous. Ça, il peut avoir une puissance énorme, beaucoup plus forte de toutes les formes précédentes d'économie, mais économie au sens scientifique, économie politique et capitalisme sont synonymes. La mise en branle de tout ça, la main invisible, le dit toujours Adam Smith, du marché qui finira pour donner le bonheur pour le plus grand nombre, pour le plus grand nombre, et tu vois que c'est une machine qu'il faut la croissance parce que c'est sa nature. Alors, il peut le dire parfois le pape que c'est un système qui devient une catastrophe, c'est comme si l'espèce humaine voulait imiter Dieu, s'est posé un nouvel Dieu, ça ne peut pas que être quelque chose de très nihiliste qui arrive au splash, mais ça c'est vrai. Mais donc en même temps, le vrai problème c'est si tout ça ne pourra pas qu'arriver en catastrophe. Il faut voir si la catastrophe, c'est pas que le capitalisme est un maléfice diabolique, mais c'est une logique. Comme le disait Marx, à la limite même les gens qui en jouissent, qui ont des économies de pouvoir, d'argent, etc., au fond, ils pensent de contrôler, mais ils sont emportés comme des fonctionnaires de ce train qui ne s'arrête jamais. Il faut voir si ce type d'accélération anthropique, d'intensification de tout, ne pourra pas arriver à des issues catastrophiques, surtout parce que quand
Or, tu peux penser le capitalisme a altéré toutes les relations avec la nature, mais tu peux dire cette espèce unique d'être parlant, non? Donc, spécialisé dans la parole, qui n'est plus régi par l'instinct. Il pourrait avoir des feedbacks, s'arrêter, revenir en arrière au bord du gouffre, ça c'est pensable, qu'est-ce qu'on en sait? Mais si par contre l'objet de cette espèce de procédé délirant de la capitalisation, de la marchandisation, ça devient pas tellement la nature physique, l'air, etc., mais même la fibre de l'humain même. On met les mains sur les génotypes, on met les mains sur l'imaginaire, on met les mains sur la communication. Alors là, si l'intellect général, comme le disait Marx dans les Grundrisse, il devient psychotique, délirant, etc., là c'est peut-être une sorte de métacatastrophe la plus grave de toutes. Donc il faut comprendre si tout ça, quand il arrive à se planter dans les murs, ça emporte avec soi toute l'espèce, au moins, ou si on pose le problème de sortir de ça. Et c'est ça le problème, si tu veux, de la révolution. Et quand tu disais que là, par rapport à ce qui se passe en Italie, là, tu disais que l'Église elle avait un comportement, disons que c'est pas bien ce qui se passe, ces émigrés, ces pauvres, ces émigrés, etc. Je crois qu'eux-mêmes sont pris dans la contradiction. Oui, bien sûr. Parce qu'eux, ils sont... entre guillemets, hein, je sais pas, hein. Ce qui, c'est tout le monde doit s'aimer, Jésus et tous les hommes sont frères, etc. Et eux-mêmes sont, doivent être confrontés à ce que quand les individus s'entretuent, de dire ça va pas, c'est l'histoire de la morale, je veux dire, la morale, qu'il faut maintenir une certaine morale, qu'il faut pas aller trop loin non plus. Oui, mais c'est des phases historiques, quand ils avaient aussi un pouvoir temporel, ils ont été parmi les plus féroces. Ils ont été parmi les plus féroces. Pas tellement les Saint-Office et l'Inquisition, mais les croisades. On raconte que quand les croisés sont rentrés, je ne sais plus si à Jérusalem ou à Byzance, il y avait le sang qui arrivait aux genoux. Mmh. Mais en même temps, aujourd'hui, évidemment, ils ont un truc réel. Plus à la limite que les droits d'homisme du XVIIIe siècle, de où ils sont écuméniques et mondialistes, où ils n'existent pas. C'est vrai, par exemple, par rapport à la crise des vocations, ils ont un côté, mais pas seulement les catholiques de gauche, ils sont forcés à être quelque part universalistes, mondialistes, etc. Donc, chacun tire la ficelle à lui-même, mais ce n'est pas spécialement étonnant. Tu sais, je vous signale une chose, je passe du coq à l'âne. Il y a eu une émission, il y a trois jours, c'est Élisée, un camarade de Toulouse, que vous avez prévenu chez Jean-Pierre et Emmanuel Bastille, dans la troisième chaîne, dont le sujet c'était terrorisme et antiterrorisme, etc. Et je dois dire, nous on ne peut pas se mettre les jambons dans les yeux. Au début, c'était étonnant, parce que tu te serais attendu, après les épisodes de l'avion, etc., un plateau avec les tenants de ce que nous avons appelé dans les tracts la psychose sécuritaire, et même l'aliénation pénale, non? Et il y aurait eu des parents, des associations de victimes pour demander une punition infinie et cette idée de la vengeance infinie. Il y aurait eu des théoriciens de la répression, plus il y aurait eu peut-être, je ne sais pas, un avocat de la Ligue des droits de l'homme, quelqu'un. Mais là, c'est présenté comme ça. L'animateur, qui était un peu en zozo, bronzé, avec la cravate un peu relâchée comme ça, une femme de voix que tu t'appelais, tu aurais considéré, disons, du bord humano, gauche, etc. Une femme historienne, que Lucien me disait qu'elle est très bien d'origine maghrébine, qui s'occupe des luttes des femmes, etc. Je ne me rappelle pas le nom.
et un vieux cinéaste qui avait collaboré avec Pontecorvo pour le scénario de la bataille d'Alger et qui est un type plutôt de bord, disons, certainement, je ne sais pas si gauchiste, libertaire, etc. Et de l'autre côté, il y avait surtout deux stars qui étaient les juges Bourdière, donc la quintessence, non, de, qui vient de publier un livre assez pervers, non, et le grand théoricien et patron, je ne sais pas s'il a un rôle officiel, le monsieur sécurité de l'entourage sarkozyste, c'est-à-dire un nommé Bauer, qui était d'origine un socialiste sécuritariste et qui est devenu le qui d'ailleurs il est PDG d'une série de sociétés qui sont dans le créneau du sécurité, je ne sais pas, électronique, etc. Et c'était lui, comme vous vous rappellerez, qui un jour, il avait revendiqué, et en passant à la FNAC, il avait vu dans un rayon l'insurrection qui vient, et qui n'avait acheté 40 exemplaires en la voyant à Madame Malio-Marie, etc., et qui avait déclenché le truc. D'accord. Et bon, et tu t'es trouvé un discours étonnant. Plus il y avait un avocat qui s'assemblait en parfait libéral, et, parce que tu l'entendais, ses jugements, mais un libéral un peu peut-être ce qu'on appelle les libertariens, non? Donc, il a commencé cet avocat à pilonner la connerie du délire, notamment des États-Unis, sur cette espèce de contrôle dans les aéroports qui ne sert strictement à rien, qui sème la psychose et qui bloque. Alors, tu pouvais dire une boutade, c'est que peut-être ça la merde, lui, quand il doit prendre l'avion, sa couche sociale, etc. Mais alors, il était d'un mépris contre ce truc qui est délirant et en même temps inutile. Et puis, il y a un crescendo que Bruguière et Bauer, ils tiennent de plus en plus de discours que tu pouvais penser, je vais dire d'une façon auto-ironique, entre certaines thématiques, mais que même la LDH n'arrive pas à comprendre, et certains discours à la Persichetti et Scalzon sur le paradoxe de l'urgence de l'antiterrorisme. Alors, tu disais, et pourquoi ils font comme ça? C'est pas un moment dans lequel il y a tellement une poussée forte des idées, disons, à niveau social, pour ceux qui les intéressent, des idées que nous pouvons porter et que eux ils veulent faire de la démagogie électoraliste parce qu'il y a, les, je ne sais pas, pour raser l'herbe sous les pieds à José Bové, comme dit, au prochain régional. Donc, mais c'était tellement poussé, à un certain moment, il parle de Tarnac, Bruguière, après, si les enquêtes sont faites pour ça, si jamais il y a eu des erreurs et des bavures, c'est l'honneur de la loi à revenir dessus et modifier. Et Bauer dire, il parlait contre le délire sécuritaire en disant, mais vous voyez, l'idée du Big Brother, à quoi ça sert? Les jeunes Nigériens, c'était fils d'un ancien ministre, c'était son père qui avait prévenu l'ambassade américaine que son fils, il fallait le mettre, peut-être pour sauver la vie de son fils. Et bien, ils l'ont mis dans une liste, mais quand vous avez 50 000, 500 000 noms, ça revient à rien. Donc, c'est parfaitement inutile. Et puis, à un certain moment, un autre qui dit une phrase. Ah, parce que là, il faut faire attention. Ils ne disent même pas des phrases idéologiques type la démocratie doit se défendre par la démocratie. Là, si on procède dans cette ligne, il va venir le mal absolu. C'est quand la loi devient criminelle. C'est une définition limite de l'état d'urgence. Or,
tu te demandes à un moment, parce que la réaction spontanée s'appelle, mais c'est gueule de gros porc, il fait de la pure démagogie et je ne veux pas l'entendre, même pas l'entendre. Mais moi, je suis un peu de l'école, là c'est un peu que on pourrait m'accuser de léninisme, mais je pense comme Sun Tse, que pour pouvoir mener une guerre, il ne faut pas se laisser monter les sangs aux yeux dès qu'on voit un ennemi et ne pas écouter. Et il faut essayer, comme le dit Sun Tse dans l'art de la guerre, à propos du samouraï, de se mettre le plus possible dans sa peau et même nous regarder avec son regard pour essayer de comprendre où il veut venir. Ça pourrait se faire que ces gens-là, ils commencent à se rendre compte que, autrement dit, on aurait dit des contradictions du capitalisme, que par exemple, ce que moi je disais toujours, le plus cruel de ces politiques contre les immigrés, c'est qu'en plus, il faut rigoler. C'est ce qu'il disait Mantegazza au début du XXe siècle, du préservatif, qui était, il disait, je ne sais pas s'il y avait, qu'il était une cuirasse contre les plaisirs et un filet contre la syphilis. Donc, ils font tout ça, ils sont cruels, ils font des trucs, même des pogroms, mais pourquoi? Ils le savent, ils seront submergés, c'est la même logique qui amène à une mondialisation de plus mondialisée, une globalisation de plus. Et là, c'est comme si, pour reprendre un terme de l'insurrection qui vient, quelqu'un d'eux avait eu la sensation que l'antiterrorisme, il est complémentaire à ce qui est appelé terrorisme, que ça boucle la boucle et que les deux étranglent le dynamisme qui lui est nécessaire pour leur logique de profit. Comme s'il pensait que le terrorisme savait devenir vraiment le frère ennemi qui complète le jeu. Ils peuvent dire que les Obama, les Osama Bin Laden, ils le programment parce qu'ils sont diaboliques, ils nous veulent nous faire tomber. Mais souvent, le disaient les démocrates pour dire qu'ils nous tendent un piège pour nous faire perdre notre âme, etc. Mais là, ce n'était pas question d'âme. C'est que peut-être ils pensaient, en extrapolant à la limite l'image des aéroports bloqués par la peur, par les trucs, que tout ça, ça sabote les flux beaucoup plus qu'un crochet sur une caténaire. Et que donc, il faut les guetter pour comprendre où ils veulent venir. Bien sûr que dans leur tête, si jamais cette hypothèse est vraie, je ne donne aucun satisfait, c'est des cyniques au point. Et autant qu'ils peuvent s'en foutre d'un génocide des pauvres du monde, par la famine ou la soif, etc., au fond, ils s'en foutent aussi si 300 voyageurs ils sautent. Ils disent, ou bien on apprend à les considérer en profit et perte, ou alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque tout. Ça, c'est pensable. Et donc, dans cette logique, les politiciens qui sont encore en train de faire leur beurre sur le peur, il pourrait lui sembler une espèce d'anachronisme archaïque comme la mafia. Ils peuvent penser, oui, les Sarkozy, les autres, ils font du beurre sur les sécuritaires, mais c'est quelque chose de, qui est dysfonctionnel à la dynamique. Il te donnait l'idée que si jamais un malheureux des associations de victimes il était là, il aurait dit, messieurs, écoutez, ça c'est pas le moment, il y a des choses plus graves que votre problème de vouloir, je sais pas. Ça c'est, il faut voir où tout ça peut amener. C'est vrai que la conclusion qu'il tirait sur tout Bauer et aussi Bruguière, c'était donc de dévaloriser tous les trucs sur le contrôle, la surveillance au sens Big Brother, et de mettre à l'honneur
l'intelligence. Il follire c'est qui l'écrit. Follire c'est qui l'écrit a nommé Joseph Muller, eccetera. Il faut l'interpréter. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est, enfin, autant ça bloque les flux, autant ça, ça nourrit aussi une autre industrie. Tu disais que l'autre Bauer, là, il est dirigeant d'entreprise. Et en fait, toutes ces entreprises, elles se nourrissent de ce climat sécuritaire parce que ça leur fait gagner des marchés, que ce soit pour des portiques de sécurité, que ce soit des espions qui vont aller faire des recherches justement. Je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que, je l'ai dit simplement pour dire, il faut que tu... Il y avait un article dans Le Monde, ou dans de ces jours, en disant, nous, c'est pas tellement notre problème, donc on n'y pense pas, que cette poussée faramineuse du portable, il ruine des secteurs entiers. Parce que, par exemple, le portable va bouffer iPod, moi je connais très peu, mais, et que donc il y a des secteurs qui sont ruinés par ces trucs. Donc, bien sûr, ce que tu dis est vrai, et en même temps, il y en a qui peuvent avoir une relative pensée stratégique et voir, en calculant un profit de perte, c'est sûr que l'enduit indotto, si dit, sécuritaire et pénal, c'est énorme. Marx déjà disait, quelque part, le voleur est producteur de justice. Au sens de justice pénale. Donc si tu te mets à compter tout l'appareil judiciaire, même au point de vue du marché du travail, pénal, pénitentiaire, policière, plus en regardant, je ne sais pas, c'est comme les hôpitaux, il y a les entreprises qui font les repas, pour les, c'est, et puis les entreprises des Judas porte-à-porte, et puis l'électronique, c'est un truc énorme, au point de vue des profits, au point de vue de la chiffre d'affaires, au point de vue de l'occupation. Le cercle situé crime et répression, guardie et ladri, no, c'est... Si tu considères les facturés, on dit les facturés, les chiffres d'affaires, je ne sais pas, de tous les secteurs, et tu les considères comme des activités. D'un côté, de la drogue, ou de la traite, de la prostitution, etc. Puis de la répression de tout ça, etc. C'est énorme de part des secteurs de capitalisation, de finances, après se réinvestir, recycler, etc. Et c'est comme ce qu'il y avait eu en Irak aussi, où du coup il y avait l'industrie de la destruction avec tous les paramilitaires, et derrière l'industrie de la reconstruction, qui sont au final les mêmes personnes, qui ont récupéré les marchés de ce qu'ils avaient détruit pour le reconstruire. Eh bien, il y a eu même une entreprise qui était où il y avait comme actionnaire, là c'est pas de la paranoïa, la famille Bush et la famille Bernadette, qui était une énorme entreprise aux États-Unis de recyclage, de, je ne sais pas de quoi, dans les secteurs justement, sur le crinal, sur les visières, entre destruction et reconstruction. Bon, mais en plus aujourd'hui, il y a en plus, ça pouvait être aussi avec les guerres classiques, on détruisait, et puis c'était le boom économique pour la reconstruction. Mais maintenant, il y a aussi toute l'industrie de l'image, de la contre-image, de la désinformation contre désinformation, etc. C'est vertigineux. Et en même temps, ils peuvent penser que, au point de vue stratégique, même en l'occurrence en l'encontre de leur intérêt spécifique, ils peuvent regarder plus large, ou alors. Il y a en effet un plâtrement généralisé que une société vraiment de la peur, de la terreur et de l'insécurité, s'il dépasse certains seuils, ça peut les inquiéter parce que ça, c'est une autre catastrophe. Alors, bien sûr, New Orleans montre comme. Il te donne un peu l'idée d'être une bande de termites qui continue à bouffer, à dévorer tout et qui dit oh, faites attention, on doit faire des lois spéciales parce que ici tout va s'écrouler. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était sensationnel l'image que tout s'était écroulé à New Orleans et que s'il y avait du pillage,
que ce n'était pas le pillage des gens qui va piller les morts. C'était des supermarchés. J'avais vu un morceau de film qui s'effondrait dans l'eau. Et si les gens allaient à récupérer les produits, les rangers tiraient dessus. Le truc était destiné, mais il fallait réaffirmer le principe de la propriété, c'est ça, c'est et, la propriété et de la loi surtout. Bon, on a mis ces deux points comme ça, c'est comme si c'était un langue pré-générique. Est-ce que je peux passer à ce truc comme je l'avais pensé, mais alors je vais m'efforcer, même si ça sera brutal, de pouvoir le faire pour déterminer, sinon je vais... Donc, il y a des moments, je me disais, dans les stations de métro, j'ai pris les notes. Après, si ça devient des heures, non, j'espère que non. On est amené, moi, pour ces petites simulations, d'un départ qui est un peu mourir, à faire des bilans, c'est légitime, c'est pas du mélo, un peu de sa vie, je me tiens assez, ça fait dans quelques mois, 50 ans, depuis que j'ai commencé à militer, à 13 ans, j'ai déjà raconté. Donc je laisse toute la partie qui est très importante, mais ça, ça ferait de la psychanalysette, d'intérêt comme du cobaye qui se raconte, alors on remonterait à l'ontogenèse, la phylogenèse et tout, la structuration neurotique de la personnalité, la vie, la mort, etc. Non, ça, on fait une impasse. Je reviens sur un truc, pour être très rapide, j'utilise moi-même comme symptôme chose qui, je pense, c'est pas incorrect, parce que c'est pour en tirer quelque extrapolation diagnostique. Donc, il y a 50 ans, c'était le juillet 60, il y avait, comme j'ai dit, il y avait eu un grand mouvement émeutier qui avait traversé la péninsule italienne. C'était un peu, au fond, un marché de dupes parce que la rue était mobilisée, elle avait fini pour être un peu travaillé pour le roi de Prussie qui était le Parti communiste, mais le Parti communiste à son tour avait produit un résultat qui après il n'arrangeait pas, qui était le centre-gauche, etc., la phase de réformisme social qui a été la plus poussée dans l'Italie de l'après-guerre. Et avec la cooptation d'une partie du mouvement ouvrier institutionnel, les socialistes, etc., dans la gestion des affaires, même à niveau de majorité parlementaire et des gouvernements. Alors j'avais commencé dans ma ville ouvrière et rouge comme un jeune communiste ordinaire. J'avais eu la chance de tomber par les rencontres, les hasards de la vie, sur des petits livres qui étaient mieux que d'autres, le que sais-je d'Henri Lefebvre, le marxisme, et l'opuscule de Marx, Travail, salarié et capital, qui est comme une petite divulgation d'un noyau dur du concept de la plus-value, de l'extraction de la plus-value, mais puis on te servait du Gramsci. J'avais l'idée à l'époque que les communistes c'était une espèce d'énorme confrérie mondiale. On n'était pas spécialement pro-soviétique, etc., le PC à l'époque, dans ma ville, mais quand même on pensait que c'était une confrérie mondiale qui avait déjà fait un gros chemin, il y en avait beaucoup à faire, etc. Et puis rapidement, un peu, c'était dans l'air du temps, et moi et mes copains plus proches, on était, si vous voulez, les impatients, les inquiets, comme ça on est défini dans un livre d'un vieux dirigeant du PC, on était impatients. Il parle de moi en disant, ben, il y avait un romantisme impatient qui nous inquiétait, parce que, bon,
Et puis, ce que nous ne supportons pas, c'était presque existentiel, c'était cette idée, qui était typique dans les partis de Togliatti, d'une révolution toujours différée. L'image qui me vient, c'est comme les céramiques chez les boulangers. Aujourd'hui, on ne fait pas de crédit, on le fera demain. C'est comme si tu mets devant un taureau un bâton avec un chiffon rouge, il court, mais le chiffon, de ce fait, il se déplace tout le temps. Ça ne nous plaisait pas, et donc on était critique d'une façon peut-être un peu ingénue de tout, et de cet aspect bien passant, étatique, homologique, qui donnait l'Union soviétique, et de la politique du dialogue avec la Fiat, avec les cathos, d'une espèce d'état de compromis historique et de social-démocratie dans les faits. Puis j'avais un truc que j'ai trouvé, qui est aussi des vieux communistes, peut-être ce que j'appelle les staliniens imaginaires, ils avaient. Vous savez, on parlait à l'époque avec fierté du Parti communiste italien comme le plus grand parti communiste d'Occident. C'est vrai, peut-être il y avait en Indonésie quelque chose de pareil. Et en effet, c'était terminé avec un coup d'état contre Sukarno, du général Suharto. Et les journaux du PC décrivaient les cadavres par dizaines de milliers qui passaient sur les Ganges, je pense, les grands fleuves là. C'est-à-dire, là, il y avait une espèce de compromis historique avec un énorme parti communiste dans l'Indonésie qui était dans un rapport presque de co-gestion du pouvoir et c'était terminé avec un bain de sang et un régime militaire qui a duré pendant des décennies. Mais à part ça, ce n'était pas l'Occident. L'Occident, le PC, c'était les grands frères. Et ce qui m'a frappé, j'étais garçon, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une campagne électorale en Italie, dans les dernières semaines, les soviétiques faisaient une de leurs, zigouiller quelques opposants, faire des répressions. Chose qui, petit coup de paranoïaque, mais c'était répandu. Il me faisait penser que c'est comme s'il les faisait exprès, qu'il peut-être était jaloux, parce que je croyais à l'époque à une relative indépendance, Togliatti, il aimait beaucoup dire la voix italienne au socialisme. Mais en effet, dans l'attitude que Staline a eue par rapport à la guerre d'Espagne, il y avait aussi ça. Parce que, bien sûr, si les sénétistes auraient gagné, aurait été une révolution de masse, incomparablement plus massifiée de ce qu'avait été la révolution d'octobre. Donc, bon, et puis on s'est retrouvés sur le seuil, et puis dehors, d'une façon pas traumatique. On n'a pas été expulsés, mais on a commencé à faire d'autres choses, on faisait un giornale parlato, un sorta di giornale immaginario, puisqu'on n'avait pas de sous pour imprimer un canard, on faisait tous les types d'initiatives, y compris on faisait un usage, si tu veux, militant du culturel, de forme de théâtre, théâtre de rue, lecture théâtrale, même qui ratissait large, Camus, Sartre, Allen Ginsberg, et bien sûr il y avait du Brecht, mais il y avait aussi du Beckett, etc. Tout ça s'était mélangé, après sont arrivées l'occupation des facs. Donc j'ai eu une espèce de frère aîné, qui est mort, se suicidé à 92, qui s'appelait Domenico Romani, et qui était un communiste vraiment sui generis, et il était un communiste qui pouvait lire Nietzsche, impliquer les aspects, si tu veux, les Nietzsche contre l'État, les monstres froids, etc. Bon, même Henri Lefebvre, il avait eu l'audace de publier un livre sur Nietzsche à 49, donc bien avant le Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Et puis donc, je peux parler de mon premier communisme demi. C'était un peu d'un gauchisme générique qui faisait pas trop la fine bouche. Tout était bon, des piquets de grève, des manifs à Rome, pour solidarité avec les uns et contre les autres, le colonialisme,
le Congo, l'avanza avete l'Algeria, poi le Vietnam, poi le greve ouvrière, eccetera. E j'ai mis dans cette phase même le début 68. Au fond, on s'est retrouvés tous, on ne s'attendait pas d'un coup. On est sorti des catacombes et c'est qu'avant c'était des petites discussions marginales qui toujours étaient écrasées bien avant que par l'appareil d'État, par le poids. Déjà ça se voyait physiquement, les services d'ordre du PC qui intervenaient et l'affrontement c'était plutôt avec eux. Rarement on arrivait à contact avec la police, c'était surtout pour être ratissé, etc. Mais j'ai dit 68, le jour de Valle Giulia, cette occupation des facs qui a donné lieu à une célèbre chanson, non siamo scappati più, on a arrêté de fuir, on a attaqué. Alors moi j'étais un de ceux qui était parti de façon surprenante. Au lieu qu'il repliait devant la police à lancer une charge, non? Et puis il y a eu mon épisode de banque qui est arrivé, mais c'était quelque chose, bon, une espèce de tornado. Mais, si vous voulez, mon deuxième communisme a commencé un peu plus tard. J'étais venu, du fait que j'étais convalescent avec ma Minerve, etc., j'étais venu en France. Si je n'avais pas été malade à l'hosto, probablement je n'aurais pas trouvé le temps pour faire du tourisme révolutionnaire. Il y avait la microphysique de tous les engagements quotidiens du mouvement quand je suis venu en France, à part ce qui a été les deux mois que j'étais ici, mais en comprenant très peu, je ne parlais pas français, avec les histoires souvent plutôt picaresques et un peu dans notre bord sympa à raconter. Sur le fil toujours du tragicomique, les événements historiques et la vie dans ces casualités quotidiennes, l'occupation de la maison d'Italie, le truc. Hein. Mais disons que c'était surtout par le truchement d'un camarade que déjà je connaissais, que je considère comme aussi un frère aîné, avec il faut reconnaître des gens qui. Un magistère, tu vois. Il m'avait filé le recueil de la revue Classe ouvrière, et donc pour moi c'était, Joseph connaît parce qu'il est traduit, c'était Mario Tronti, certains articles de Mario Tronti. Il me semblait vraiment répondre à certaines choses profondes de moi. Quand j'étais enfant, dans notre ville ouvrière, c'était pas tellement. Oui, on connaissait les misères du monde, mais tu ne voyais, c'était incomparablement moins visible la misère de ce qu'il est maintenant dans les quartiers, même les Halles de Paris. Et pour moi, c'était plutôt peut-être pour mon truc, avec cette idée d'aléatoire de la ville. Cette espèce d'hypocondrie cosmique de ma mère, le temps passe et la mort s'approche, c'était l'idée d'un mot. Ce qui me prenait, c'était l'idée de l'absurdité du cycle, travailler pour vivre, vivre pour travailler. Cette sensation d'une tristesse infinie de la vie perdue à la gagner. Donc il y avait un embryon de critique du travail et au fond, de l'extraction de la plus-value, qui est une économie du temps de vie humaine, qui est la mesure de la valeur, déjà la Ricardo le trouve, parce qu'au fond, on disait, non, Ricardo fait l'exemple, ce n'est pas l'échange qui crée la valeur, parce que le plus grand diamant du monde, dans la poche de quelqu'un qui est en train de crever de soif dans un dessert, ça vaut rien, il le donne pour un verre d'eau. Par contre, le temps de vie humaine, le temps de vie de cette espèce qui, à différence de tous les autres, elle a pu enferrer la mortalité, donc l'angoisse, le néant, l'être, la cause, la fin, le avant, le après, etc. C'est universellement
la chose la plus rare et donc précieuse, et donc ça peut être la mesure, c'est conceptuel, c'est pas qu'il faut retrouver la loi de la valeur. Et bien, donc ça m'arrangeait tranquille, et ça m'arrangeait en plus ce renversement de l'idée que la lutte de classe dans les pays de la métropole capitaliste, ça ne pouvait pas qu'être social-démocrate, ennuyant, défensive, syndical, et que la lutte politique, il demandait des conditions qu'on ne voyait pas, la guerre ouverte, les millions d'hommes dans les tranchées, ou alors, je ne sais pas quelle catastrophe, le fascisme, un coup d'État, la domination coloniale. Là, c'était quelque chose qui te permettait que de te solidariser avec quelqu'un. Au fond, je trouve qu'à l'époque, c'était plus simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette idée victimaire, on se solidarise toujours avec des victimes. Mais dans ma génération, au fond, on était un peu envieux des Vietcong ou des Latinos. Plus que l'idée apitoyée qu'il crevait la dalle, c'était l'idée qu'il se révoltait, les armes à la main. Et donc, si à l'époque on serait pas parti comme des prêtres pour aller porter à bouffer à des enfants qui crèvent la dalle, mais comme des gens qui cherchent l'aventure là-bas. Bon, Tronti te disait, oui, mais le cœur de l'affrontement, que à l'époque on appelait politique, mais c'est dans l'arcane de la production, dans la lutte toujours qui commence par le bras de fer pour fixer le degré de l'exploitation. Donc, par exemple, le mot d'ordre revendicatif, salaire et horaire, moins de travail et plus d'argent et plus de sous, et unité de classe contre toutes les distinctions, les segmentations, etc., c'était quelque chose qui avait une portée révolutionnaire. Donc, ce n'était pas nécessaire rêver du passé ou de l'ailleurs, ou alors prendre son sac à dos et aller partir pour je ne sais pas où, mais pouvoir. Et c'était vraiment trouver, comme l'autre face de la Lune, un autre Marx, un autre communisme, etc. Bon. Au fond, le reste. La classe, le groupe potere operaio, sa dissolution, le après, le fait d'être parvenu dans une tendance générale comme d'autres jusqu'aux armes, le mouvement des 77, les luttes armées, etc. Et puis, la note qui est arrivée pour nous et d'autres avec ce fait très célèbre du 7 avril 79, qui était au fond une rafle judiciaire, donc déjà cet oxymoron montre que c'était l'entrée de l'état d'urgence pénale en forme spectaculaire. Ça fait partie tout au fond de cette conséquence insurrectionnaliste que nous avions tirée de l'opéraïsme de Mario Tronti. Donc, il y avait, on était en clair sur le fait qu'on considérait que dans les blocs de l'Est, les pays du socialisme réel, c'était du capitalisme d'État, etc. Après, il y a une espèce de phase, pour moi, j'espère être suffisamment rapide, dans laquelle j'ai dû faire, et je ne le regrette pas, une espèce de blow-up. Et ça a été l'idée que il fallait, il y a une phrase de Lénine que je trouve c'est bien quand il dit il n'y a aucune erreur, aucune erreur et aucune défaite qui n'est pas si irréparable et l'incapacité de voir les erreurs et les défaites. Alors moi j'ai pensé que d'un côté un cycle d'une sorte d'insurrection rampante
d'un état insurrectionnel subaigu et chronique qu'on avait produit et participé à produire, nous n'avions aucune main depuis Tronti, si tu veux, l'idée de que la lutte armée c'était pour guillemets, prendre les pouvoirs d'État d'un côté, parce que même Lénine dans l'État de la Révolution, il critique Kautsky en disant que les pouvoirs d'État, il ne faut pas les prendre, mais les casser, les donner à d'autres formes dans lesquelles on passera des du commandement sur les humains à l'administration des choses. Après, on sait ce qui s'est passé. Mais je vais dire, l'idée en plus, j'aimais dire que dans les années 80, 70, dans un pays comme l'Italie, ce que Bordiga, à juste titre, appelait la contre-révolution stalinienne, autrement dit l'idée que le fief de Paris, immense espoir, mais je dirais le Paris communiste réside dans un lieu qui fait une étape, c'est-à-dire le socialisme dans un seul pays, etc., que Bordiga appelle la contre-révolution stalinienne, l'idée qui renverse l'idée de l'internationalisme prolétaire, même qui avec la langue stalinienne appelle l'internationalisme la référence à la patrie soviétique du communisme, qui est une absurdité, aurait été pas pensable. Qui aurait pu penser on va prendre le pouvoir en Italie et on fait la révolution socialiste italienne? Il y en avait des groupes en mente, c'était tellement une assurdité. Donc pour nous, c'était pas ça, mais alors on pourrait dire, mais alors qu'est-ce que vous vouliez faire? Mais peut-être établir une espèce d'état permanent, sans tomber dans l'aspect spéculaire, homologique, même de concurrence, de mimétisme, de ce qui est appelé contre-pouvoir, que c'est un peu comme un miroir, un calque renversé, mais un anti-pouvoir, l'idée de faire vivre des expériences de communisation, comme on le dit aujourd'hui, d'autonomisation, avec une espèce d'état comme la guerre. Elle est cachée, mais existe toujours, comme le dit Foucault, elle couve sous les cendres de la paix sociale. Elle se présente sublimée, la terminologie de la compétition des marchés, du conflit syndical, même du sport, il rappelle le fait que c'est le contraire un peu de ce qui disait Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, et se par contre Foucault dit non, ben, la guerre elle existe au fond, et la politique c'est une forme transférentielle, sublimée, mais sous la salle elle couvre la guerre, sauf que la guerre et la faim, mais d'un seul côté, et voudrait inhiber la conscience de ça. Donc nous, on aurait voulu représenter cette espèce de marmite permanente qui essaye tout le temps de faire vivre aussi notre front de cette guerre, qui autrement, c'est une espèce de vice qui écrase tout le monde. Bien sûr, que là, je vais être trontien et spinozien et dire que toutes les hiérarchies du monde, au principe, c'est comme les vampires. Le pire despote, il est toujours dépendant. Le vampire, il n'a pas de fondement de puissance à lui. Il est un trou de vide qui doit se nourrir du sang, dans la métaphore, du sang des autres. Les vampires ne pourraient pas vivre sans les gens auxquels ils piquent le sang, tandis que les gens, ils pourraient très bien vivre sans vampires. C'est ça le problème. Que la puissance serait du bord des immenses multitudes humaines. Et de là à faire émerger cette idée, c'est toutes les. La difficulté, peut-être le casse-tête du problème. Alors, moi j'ai pensé que ce cycle-là, comme tout cycle, on ne peut pas dire la commune n'a pas été écrasée, comme il l'écrivait certains. On
peut dire che la commune e la vitalità che reviene tutto il tempo perché l'ha été étranglée, ma non può pas penser che pour ne pas tomber dans une espèce de reddition, on doit faire une dénégation et dire que la commune n'a pas été écrasée. La commune a été écrasée. Après, le problème, c'est que et une épiphanie de quelque chose qui existait bien avant et qui se manifeste, on disait Spartacus, et qu'elle devrait revenir, elle reviendra. Mais donc, j'ai pensé que il fallait considérer, c'est, là je dois dire que je l'ai pensé rapidement avec d'autres, et que beaucoup de gens, il est parvenu 10 ans après, et je ne les rapproche pas, parce qu'il fallait donc trouver une ligne moyenne dans notre local. Mais tu sais, quand tu parles de, on était au début des années 80, 5000 prisonniers politiques, au sens, je ne veux pas le dire comme définition, non. Gens qui étaient poursuivis et puis arrêtés, condamnés, etc. et qui avaient en commun, à part toute une série d'accusations d'illégalité de tout type, crimes, délits, etc., aussi tous l'accusation et la condamnation pour associations subversives, bandes armées, et donc. C'était la quintessence de ce que dans les codes pénales italiens qui remontent à l'époque du fascisme définit l'ennemi politico-social. Donc, c'est une question locale, mais dans le local d'une certaine consistance, 5000 prisonniers. Donc, j'ai été un des très peu qui ont pensé qu'il fallait trouver une sorte de ligne qui aurait pu unifier tout cet ensemble humain et tout ce qui était autour sur une détermination qui n'était pas le Pérou, n'était pas la Révolution, mais qui était une solution d'amnistie pour tout un chacun. C'est vrai que c'était comme être un funambule sur un fil. Tous les gens, la ultra grande majorité, étaient contre, les uns plus respectables, parce que c'est comme pour l'asile. Notre devise, plus un petit, ici on était en milliers, et donc c'était asile, indivisible, inconditionnel, indiscriminé, autrement dit, pour tout un chacun. Il y en avait qui ne pouvaient pas admettre d'être réfugiés, parce qu'ils le prenaient comme si c'était une désertion. Et il y en avait d'autres qui étaient sur la pente de l'intégrationnisme, de la dissociation, qui est au sens de où est une forme de nouvelle langue, c'est-à-dire avoir un pouvoir sur le passé. Et donc, le discours de lutte revendicative pour tout un chacun, c'était la plus mal aimée. Ça s'est reproduit quand dire papier pour tous. Tu as des gens qui disent mais c'est impossible, c'est. Et d'autres gens qui disent ah non, ça c'est de la collaboration, il faut détruire tous les papiers. Et donc, l'amnistie pour tout un chacun, comme lui qui vient du bas, était la chose la plus mal aimée que tu pouvais connaître, parce que c'était comme vraiment être un funambule sur un fil, et il y avait... Bon. Mais, je n'ai pas de regrets pour ce que j'ai fait, même si beaucoup de monde me disait, ah bon, mais... Tu fais une espèce de secours rouge, des bonnes sœurs qui s'occupent, parce qu'après ça devient un engagement total. Quand tu as au fil de 25 ans, 27 ans, presque une centaine de cas de mise sous écoles traditionnelles, tu t'en occupes, ça devient une priorité qui, avec tous les annexes, etc., ça te bouffe presque entièrement la vie. Donc il y en a qui disent « Ah ben mais ça c'est con, tu t'occupes pas de toi-même », ou il y en a, et ça c'est un peu plus dur, qui disent « Mais il y a des choses beaucoup plus importantes au point de vue
de la révolution ou de la théorie révolutionnaire, etc. Mais moi, j'ai toujours dit, bah écoute, si tu peux parler de toutes les révolutions du monde, mais si ça se trouve que tu travailles dans un lieu de travail et qu'on licencie ton copain, si au nom des choses vachement plus importantes, tu t'en fous, c'est un peu douteux. Là, c'est presque du naturel. Hein. On licencie ton voisin ou on veut couper la gorge à ta voisine de palier. Comment tu peux dire qu'un homme des choses beaucoup plus importantes au point de vue conceptuel ou historique, etc., tu ne peux pas perdre la vie derrière ça. Il faut aussi accepter sa condition. Et moi, en plus, moi, j'ai été porté en dehors de la prison par une conjonction un peu spéciale. J'étais tombé sérieusement malade. Il y a eu une campagne prônée par des gens, les Franck Arame, Dario Fo, etc. Dans un mois, 50 000 signatures, mais on ne m'a pas. Ah, il y avait toujours la possibilité de mettre, ça restait toujours ouvert, de mettre dehors quelqu'un, même si à l'époque j'étais accusé de tentatives d'insurrection armée contre l'État, pour des raisons gravissimes de santé. Mais c'était une espèce de soupape bouchée. Mon cas a réouvert, après il y en a d'autres qui ont été mis dehors. Mais quelque part, c'est sûr que, comme c'était les partis communistes qui étaient, au nom de tout le système politique, un peu le, qui gérait la répression contre nous, le démocrate chrétien avait bien laissé au parti communiste gérer la répression contre des gens qui en plus ils s'appelaient communistes comme lui, donc il devait les écraser. Et s'il n'y avait pas eu le fait qu'à 68 j'avais été gravement blessé par les fascistes et que donc probablement on m'aurait laissé crever. Donc c'était pas un privilège cherché, mais c'était une espèce de rente de situation qui a fonctionné. Et donc, comme il le raconte Daniel Antelme dans L'espèce humaine, Primo Levi, etc., tout gens qui se sauvé dans l'univers concentrationnaire, il vit cela, même s'ils n'ont rien fait d'incorrect, ils n'ont pas bouffé la croûte du voisin. Mais je me rappelle Pierre Alvax, qui avait été déporté à Buchenwald avec son vieux père, et le père est mort parce qu'il était plus fragile que lui, et lui il gardait ses trucs. Les sauver et les submerger, comme le dit le titre. Et Agamben a travaillé là-dessus, sur le fait qu'il y a comme une espèce de, pas de honte, mais des sentiments de malaise irrationnel du fait que tout est sauvé et l'autre pas. Donc moi, c'était une évidence. Après, j'ai trouvé la phrase de Deleuze, note pour une morale provisoire, tâchez d'être à la hauteur de ce qui nous arrive. Mais, à part ça, j'ai, bien ou mal, j'ai vécu. C'est pour ça que je n'ai jamais pleurniché surtout sur ce que d'autres appellent l'exil, et qu'au fond c'était le cavale. Ce n'est pas pour faire le coup de grâce à la vie. Ma. Bien sûr qu'on a perdu beaucoup de choses, mais d'abord, c'est comme insulter la misère de ceux qui ne sont pas partis et qu'ils ont coupé dans les géoles, trop pleurnichés sur sa propre condition d'exilé. Et en plus, tu perds des choses, mais tu en rencontres d'autres, non? Bah, oui, on ne se serait jamais connu. Combien de gens? Félix, Harry Lefebvre, d'autres, des milliers de personnes, des camarades, des situations. Donc tu perds, mais tu gagnes aussi. Et dans ces trucs, bon, là je le dis vraiment d'une façon, et je me borne, moi, que je n'ai pas une origine bibliothécaire du pays que j'ai cru comprendre. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas rencontrées.
Par exemple, moi j'étais très critique par rapport au socialisme réel, surtout parce qu'on faisait une analyse marxienne et on les voyait comme capitalisme d'État. Mais ici, évidemment, dans une forme tout à fait différente qui est le défroqué du maoïsme, du stalinisme, nouveau philosophe et compagnie, mais j'ai pu connaître, peut-être en Italie aussi, toute une critique conseilliste, internationaliste, ultra-gauchiste, libertaire, du communisme historique officiel. J'avais lu des choses d'Orwell, mais donc j'aurais pu les lire même en Sicile ou à Naples ou à Terni. Mais si tu veux, l'attention à ces paradoxes, à ces absurdités, l'idée d'un État communiste, d'un communisme habillé avec un devise de maréchal, une tenue de maréchal, etc. Donc, une certaine réflexion de ce genre. Et puis, franchement, bon, Deleuze, j'aurais pu en voulant le lire, mais avoir fréquenté Gattari, Laborde, etc., une attention à ce qu'on pourrait appeler une espèce de critique des économies politiques, oui, des économies politiques libidinales, mais pas tellement. Mais surtout des rationalisations, des formes de mise en idéologie et de théorisation d'une série de dispositifs que tu retrouves qui sont toujours les mêmes et qui s'habillent de quelque chose qui est auto-incantatoire, de l'illusionnisme vers toi-même, l'idéologie, etc. Et puis, bon, je vais dire quelque chose. La fréquentation d'Henri Lefebvre, et c'est plus à l'oreille de voir dans l'édifice du marxisme érigé par Kautsky, surtout un noyau dur qui était du Lassalle plutôt que du Marx, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc d'un côté, le marxisme qu'il faudrait appeler Kautsko-marxisme, et en réalité c'est Kautsko-lassallisme, la racine de cette dégradation étatiste absurde de ce qu'était le communisme de Marx. Donc le fait de voir le couple entre l'anarchie qui considère que Marx est étatiste et les emplois hégémoniques, et le marxiste-léniniste de tout type, qui lui, il fait la même lecture, mais au sens positif, qui est étatiste. Et le fait de casser tout ça, de voir le nœud autour du fait que le programme de Gotha est en filigrane au-dessus de toute l'expérience historique et de la social-démocratie et de l'ancienne gauche social-démocrate qui s'est appelée après bolchevique et qui a mis les copyrights sur le mot de communisme. Et donc ça, et puis tous les discours que j'avais évoqués, portés par Macaïs, qui sur cette marque originaire, homologique et mimétique par rapport à l'organisation sociale de la société du capital ou du monde bourgeois, c'est-à-dire reprendre l'idée de Max Weber du métier, de la corporation de métiers, des politiques professionnelles et théoriser les révolutionnaires de profession qui seraient nécessairement des intellos qui abandonnent leur classe, mais Macaïs qui observe. Alors le socialisme devient le socialisme des intellectuels, parce qu'on n'a jamais vu un groupe social faire une révolution pour des autres. Et puis, donc, être amené à une critique de cette espèce de filiation, donc de paternité qu'on s'est construit, de substitution, par rapport à une espèce de opacisation, forclusion de ce qu'était Marx ou la Commune de Paris ou l'Association internationale des travailleurs, qui est cette filiation jacobine
Donc en réalité, avec toute la théologie de l'État, le puritanisme en version moderne qu'il y avait dans Robespierre et Saint-Just, pour que je sache, Marx dit un anticipateur de ce que j'entends pour le communiste, ça serait Jacques Roux, certes pas Robespierre et Saint-Just, non, mais c'est créé l'idée que par contre c'est nos ancêtres. Et puis d'autres choses, des gens formidables que j'ai rencontrés, des réflexions, une redécouverte de tout un autre univers qui était celui-là, des mouvements libertaires, anarchistes, là, Mont Virgile, ça a été Gérard Mérinin. Donc tout ça, ça fait pas, je pense, une espèce d'amas hétéroclite, éclectique, congérie d'éléments mis en confusion, mais c'est des porosités, des remises en cause. Donc pour moi, l'opéraïsme de Tronti, c'était aussi l'idée forte de la critique du travail, critique de l'économie, critique du travail. Pas mépris pour les travailleurs, qui existent dans d'autres courants, critique du travail. Et au nom, pas d'une espèce de, je ne sais pas quoi, mais au nom de la libre activité, de l'autonomie commune des humains, comme idée force, comme principe actif. Et puis, tout ce qui a représenté pour moi, bon, si vous voulez, ce qui s'appelle la marxologie de Maximilien Roubel, qui était un art, et qui, il a écrit beaucoup, mais il y a cet opuscule Marx, théoricien de l'anarchie, qui est un remue-ménage assez fort. Bon, c'était un parcours. Je garde beaucoup de références, même si beaucoup de mes copains peuvent être critiques. Donc, au noyau dur de l'opéraïsme, la critique de l'extraction de la plus-value, la voir même dans des formes complètement changées, dans un travail qui apparemment c'est plus, c'est tout à fait autre chose, mais la nature est la même. Si le travail est de plus en plus à nos latitudes de travail immatériel, ce qu'on appelle le cognitaire, etc., c'est une conséquence erronée penser que alors le rapport social de capital, l'extraction de la plus-value, l'exploitation n'existe plus. Ou alors, pour se rassurer que ça existe encore, voir uniquement le fait qu'il y a la, quand même ici le travail de plus en plus immatériel, et en plus immatériel au point de vue de l'aliénation individuelle. Je pense que dans un call center, c'est pas nécessairement mieux que dans la chaîne de montage. Et que donc, oui, tout le cycle cyberneuronal, d'accord. Mais alors il y a un autre couple, il y en a qui pour se rassurer, ils disent oui mais quand même ils délocalisent, mais dans la scie, etc., on retrouve la bonne vieille usine. C'est vrai ça, mais c'est pas ça le problème, le capital est un rapport social, comme le disait Marx, les formes c'est comme l'habillement, ils peuvent changer. Aujourd'hui même dans l'usine la plus classique du taylorisme, l'ouvrier, alors il ne serait plus un exploité parce que tu ne retrouves plus un homme père de famille en col bleu, mais tu trouves un type avec la boucle d'oreille, les cheveux frisés, la couleur de la peau de toute couleur, des cultures, et qu'il fume des joints. Et alors, alors il faut en tirer que l'exploitation c'est fini, comme il en tirait tous les Serge Julie du monde. Ou alors que, oui, ça c'est un peu folklore, mais la vraie exploitation dans laquelle on a les cols bleus, ça existe à 20 000 km. Mais non, c'est, il faut savoir voir le rapport social et la persistance de sa nature dans les formes les plus différentes, modifiées, etc. Et tout, donc dans tous les changements, toutes les propositions entre ce qui était manuel, intellectuel,
production, reproduction, distribution, etc. Ça s'est mais déjà, si vous prenez les Grundrisse, c'est pas pour faire de Marx un espèce de prophète, c'est pas pour le voir comme un espèce de Jules Verne qui nous dessine le futur, mais il y a des trucs qui sont éventuellement anachroniques parce que trop à l'avance, et ils ont été rabattus sur des formes et des catégories mentales inadéquates. Bon, alors, tout ça pour dire, en même temps, il y a eu d'autres choses. L'opéraïsme, il était bien conscient de toute la critique marxienne du fétichisme de la marchandise, mais il faut reconnaître que ça a été d'autres, l'école de Francfort, Günther Anders, ou alors les situationnistes avec lesquels j'ai des éléments de divergence très très forte sur la composante parano de certains leurs discours concernant le Reichstag et concernant les Brigades Rouges, mais c'est vrai que d'abord sur le fétichisme de la marchandise poussé aux extrêmes dans le spectacle social et la société du spectacle, ils donnent des contributions très fortes. Alors moi, je suis un peu là. Et là, je voudrais venir à deux volets finaux, si vous souhaitez. À partir de ça, qui est une espèce d'auto-certification qui te semble trop et pas assez, comme toujours. Parce que bien sûr, si quelqu'un devait se mettre à écrire réellement sa propre autobiographie, il faudrait un temps beaucoup plus long que le temps réel de sa vie. Ça serait pas seulement comme la nouvelle de Borges sur la carte des cartographes de l'Empire chinois qui détaille, à la fin, ça devient un immense pléonasme qui couvre toute la Chine. Ça serait plus, parce que dans le temps réel, tu as 4-5 idées contemporainement, ça se passe dans une contemporanéité. Si tu voulais le mettre d'une façon linéaire, ça prendrait un temps plus long que la vie même. C'est un paradoxe, c'est des vertiges un peu de l'ordre de théologique. On me dit que Rosa Luxembourg utilisait souvent des métaphores théologiques, ben, je les trouve souvent extraordinaires, autant que les présocratiques, les paradoxes du crétois et du menteur et tout. Mais, je vais dire, il y a un fil de discours. À côté de cette priorité que j'accepte comme priorité, même en me faisant sermonner par beaucoup d'antimes. Dernière parenthèse. Évidemment, il existe des types comme moi qui attirent cette espèce de nœud d'oxymoron, de double bind, c'est-à-dire moi je trouve toujours, je l'ai déjà dit, les amis les plus intimes qui commencent par me dire comment ça va, et puis après m'avoir appelé en me posant des questions qui, si sont des questions pratiques, c'est beaucoup mieux parce que ça te porte dehors de ce que tu devrais faire, de tes priorités, mais au moins tu peux avoir le plaisir d'avoir rendu service, faire un travail accompli, etc. Mais par moments, c'est des questions un peu vertigineuses, comme te poser questions banales et en réalité te poser un dilemme moral irrésoluble. Bon, en même temps que peut-être ils m'ont appelé pour me transmettre une question qui peut te désespérer, puisque c'est un problème qui est un pseudo-problème, parce que c'est un apori, un dilemme moral, il n'a pas de solution. En même temps, il te demande comment vas-tu et il commence à te dire que tu devrais changer de vie, t'occuper de toi-même, et ne pas être dissipative avec les autres. Alors là, c'est une contradiction dans les termes. Mais moi, je dis que, évidemment, ça c'est une latence qui est dans chacun de chez nous, être si contradictoire et illogique. Il y a des gens qui attirent ces trucs. Et dans mon cas,
c'est une structure, il demande la personnalité qui attire ça, et puis c'est produit de fait, de pur hasard, une surexposition par exemple médiatique depuis 68, qui fait que j'ai un nombre franchement monstrueux d'amis intimes. Et qui en même temps, la prescription de ma peine, qui s'est passée il y a bientôt 3 ans, il a été fantastique, mais aussi une catastrophe. Parce que maintenant, j'ai plusieurs territoires existentiels qui sont supposés être mon local. D'un côté, c'est Paris, maintenant Montreuil. D'un autre Naples, d'un autre Milan, et donc là tu touches des impossibilités, tu ne peux pas être... Parce que la fois... Oui, il y en a d'autres qui prétendent à l'invisibilité, donc à l'ineffabilité qui tient de Dieu, et moi je devrais prétendre à l'ubiquité ou je ne sais pas quoi, bon, donc on fait avec. Mais je vais dire, si on met d'à côté tous ces chants que je considère franchement, je ne sais pas si légitime ou bon, j'aurais pu mieux fait si j'avais fait d'autres choses, je ne sais pas, qu'est-ce que tu voulais que tu sais. Mais, je dis, je n'aurais pas pu respirer, me regarder dans la glace, si j'avais mis entre parenthèses la question des prisonniers politiques. Les formes de lutte les plus radicales des années 70-80 en Italie ou de fouillards par le monde et notamment réfugiés en France. Je ne veux pas dire évidemment que c'est plus important que le génocide du Rwanda ou plus intéressant que je ne sais pas quel débat théorique. J'ai loin de moi pensé que les 5000 qui ont été aujourd'hui, c'est quelques centaines de prisonniers politiques en Italie, sont quelque chose de plus significatif ou important que tous les prisonniers de tout le monde, que tous les combattants de tout le monde. J'ai dit simplement que c'est mon truc. Tout le monde considère que c'est plutôt, je dirais, sinon on deviendrait fou. Que tu t'occupes, ce n'est pas faire du lépénisme, mon frère Le Pen, il dit, mon frère est mieux que mon cousin est mieux, il veut objectiver ça. Mais bien sûr, si tu as ton père qui a un cancer et que ça te bouffe les journées, je trouve que c'est délirant de dire, oui, mais pourquoi tu t'en occupes, qu'en même temps il y a des milliers d'autres pères, des millions d'autres pères dans le monde qui ont un cancer, non? Et tu ne peux pas te prendre pour Dieu. Donc là, je ne vais plus le discuter. En tout cas, je pense que j'aurais été un légume si je me serais mis à faire n'importe quoi, mais je ne vais pas dire, aurait été impensable me mettre à m'intégrer, m'inscrire en doctorat ou je ne sais pas quoi. Mais aussi me mettre à faire les révolutionnaires sur choses beaucoup plus importantes, tandis que j'avais des gens qui étaient en tôle à la suite d'un destin commun, de trucs qu'on avait partagé. Est-ce que je dois continuer à l'infini à me justifier de ça? Non. Non. Mais donc, cela, on le considère, on fait mine de considérer qu'il est classé. Pour le reste, il y a un fil de raisonnement que j'ai continué à dire, les heures de vidéos, d'émissions, de trucs quand on faisait avec Guy à FPP, de Maître Ignorant, et puis les journaux imaginaires, et puis les trucs. Bon, il y a une sorte d'idée que je ne veux même plus dire que c'est une conjecture. Disons que c'est une obsession. Dans les derniers 30 ans, on a intégré à juste titre toute une critique, disons, du système monde, capitalisme, forme d'État, technique, etc. Prise du point de vue de la valeur d'usage. Autrement dit, la nostra critica classica contro l'esploitation, l'aliénation du travail, on considère donc l'extraction de la plus-value, le côté de la valeur. No?
la valeur d'échange. Et puis, notamment, l'écologisme nous a fait considérer que aussi du point de vue des merceologiques, cette ambivalence qui se résout à l'ambiguïté du capitalisme, c'est terrible parce qu'il peut avoir une portée catastrophique. À l'époque de Marx, la problématique économique, c'était comment résoudre l'équation de ressources limitées et des besoins croissants. C'était surtout du fait de l'augmentation de la population. Malthus, c'était un économiste, c'était pas un gynécologue, il pensait qu'il fallait bloquer, agir sur la démocratie. Marx s'en moquait, c'était pas une solution. D'autres, ils pensaient qu'il fallait répartir d'une façon équitable la misère. Et Marx s'en moquait aussi de ça. L'égalitarisme, c'est plutôt une idée, comme par hasard, très bourgeoise de la Révolution française. Marx disait c'est le problème d'augmenter les gâteaux, pas de partager la misère, qui en plus, comment tu me ferais la justice distributive, etc. Mais donc, d'autres pensent qu'alors Marx était productiviste. Non, il parlait de paradigmes différents pour l'idée des richesses. Pas de l'augmentation des biens matériels au sens de cette dynamique catastrophique capitaliste dont on parlait avant. Eh bien, j'ai dit, on a vu que les ressources, c'est pas seulement qu'elles sont limitées, mais qu'elles peuvent être décroissantes. On a découvert les effets des externalisations, le bilan énergétique et le bilan de tout type de la biosphère, les catastrophes naturelles. Après, c'est même devenu une espèce de, dans la forme New Age, une espèce de paranoïa collective, souvent de notre bord. Tout est une espèce de complot. Le pain, il te tue, évidemment. Vivre, ça te tue. Mais ça devient dans Internet, il y a de plus en plus, tout est faux, tout est empoisonné, il y a toujours bon. Mais donc, il y a cette idée qui aujourd'hui est répandue et même diffusée par Léo, le rapport onusien des différentes institutions onusiennes, pour ne pas parler du livre d'Al Gore, il te parle en tout cas, je ne sais pas si ça sera la couche d'ozone, l'effet de serre, ou les OGM, ou le nucléaire, ou ça, mais il y a une idée forte que je pense qu'on ne peut pas liquider comme elle a été liquidée par une rationalité côté libéral, mais aussi côté marxiste, comme le millénarisme apocalyptique terrorisé par le futur, etc. Il y a quelque chose, je vois comprendre dans mon ignorance, je vois que les gens parle avec une morgue, une assurance, bon, mais là, on répète des choses qu'on choisit suivant ce qui nous plaisent le plus. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose, même si on applique une logique de bon sens, même des courses forcées à la catastrophe dans cette accélération et intensification entropique qui est la forme actuelle du modèle d'accumulation et donc du trinôme capitalisme, état, technique tel qu'il se présente. Mais je veux dire, pour le presque rien que je sais, je ne peux pas dire d'une façon catégorique il y aura catastrophe, ou alors dire, ben non, ça c'est une extrapolation à la limite, mais en effet il y a des effets feedback continuellement, la technique même produira son anticorps. Comment je peux dire, vraiment je suis convaincu de ça. Beaucoup de monde exprime des convictions, mais c'est plutôt des articles de foi, des croyances, en tout cas. Moi, je dis, je ne peux pas dire que c'est exclu, parce que c'est comme quand dans les mouvements révolutionnaires, on misait sur la crise inévitable
des surproductions, sous-consommations, et on donnait pour sûr dans les débats, il y avait une ferving d'un côté, trucs, etc. La crise finale prochaine du capitalisme, puis on a eu, après 1929, avec les Keynes, les Schumpeter, etc., que le capitalisme a su bien trouver des volants nouveaux et en tout cas rallonger infiniment ce cycle. Ça pourrait se passer le même pour la catastrophe écologique. Déjà, on a des signes de reconversion d'une espèce d'éco-business qui est devenu un autre secteur porteur de la capitalisation. En tout cas, je suspends. Mais je n'ai pas de certitude là-dessus et je ne prétends pas de faire les Nostradamus qui avancent l'une ou l'autre prévision. À niveau d'application de réflexion à main nue, je pense qu'on ne peut pas exclure en principe le fait qu'il puisse y avoir au bord du gouffre ou pas au bord du gouffre des éléments qui feront qu'il n'y aura pas dans 20 ans le crash général qui est annoncé par les uns, par les autres, etc. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus inquiétant et angoissant. On a dit que cette espèce est différenciée par les autres, notamment par la parole. On pourrait dire aussi par le rire ou par la révolte. Il y en a qui disent par le travail, et puis Marx dit oui, mais le travail, ce n'est pas l'essence humaine, parce qu'il y a même les araignées, les abeilles et les castors qui travaillent. Mais je voudrais dire, même dans les classifications disciplinaires, cette espèce d'être parlant est définie espèce spécialisée dans la parole et donc dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire donc dangereuse ? Che la cette particularité che dans une vision qui nous est commun, bon, de type darwiniste, ça peut se manifester avec des changements, tu sais, une espèce de primate supérieur qui à un certain moment fait un écart, la déviation décisive, c'est que René Thom appelle une catastrophe, pas au sens de l'apocalypse, non? C'est une déviation décisive, peut-être, il y en a qui disent qu'une espèce de primate, c'est comme s'il y a un chromosome en moins, en plus, qui a dévié, alors il y a eu avant, il me semble, le Cro-Magnon, et poi l'Homo sapiens, sapiens, mais il y a une capacité de formuler, d'émettre des sons articulés. Et c'est comme si tu prends dans un film, tu mets un primate qui tape, ça peut être un million d'années, mais qui tape des silex. Et ça donne des étincelles. Mais les fois qu'il a le sentiment qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait de taper et l'étincelle, et c'est tout. Il y a Prométhée, il y a tout. Il y a l'idée qu'il observe une régularité, il tire une hypothèse d'une loi, il peut prévoir, il peut le faire intentionnellement, ça s'appelle l'inférence. Mais c'est le principe de l'abstraction de la pensée. Autant l'idée du paradis et de l'arbre d'Adam et d'Ève, ou le mythe de Prométhée, etc., il peut être des métaphores, de quelque chose de pareil. Bon, donc on pourrait dire. L'autre, Descartes, dit « je pense donc je suis, cogito ergo sum », on pourrait dire « on parle, donc on pense ». Et la pensée, ça signifie se pousser en dehors de l'être. Et ça, c'est tous les couples binaires et dualistes, c'est à faire l'idée de la temporalité, d'un avant et d'un après, sortir de cette espèce de l'infélicité et de la félicité, de la cause et de la cause des causes et de la cause des causes. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a un commencement, il y a une fin. L'angoisse du sens,
Sartre disait, bon, l'Ansandrier est, ne peut qu'être un cendrier. Un garçon de café, il existe, donc il a l'angoisse, la liberté, ou le simulacre de liberté, la responsabilité et tout. Bon, se trouve que ça se trouve qu'il y a des espèces qui ont des caractéristiques qui seraient stables, le dauphin par exemple, etc. Mais disons que l'espèce humaine, c'est cette espèce de scherzo di natura, de écart. Nous n'attirons pas une conséquence anthropocentrique que les créationnistes identifient l'homme au centre de l'univers. Bon. Mais donc, il y a une spécificité de l'espèce humaine. Dangereuse pourquoi? Parce que, comme on l'avait déjà dit, ce n'est pas comme les abeilles qui ont un système parfait, ils feront toujours des ruches parfaites, ils ne se poseront pas les problèmes d'être les ouvrières dominées par une reine, puis la reine sera, mourra, elle sera tuée, etc. Et là, il pourrait les répéter à l'infini. Et l'araignée pareil, si on ne lui donne pas de la caféine ou de la nicotine, il fallait biaiser, il en fait l'exemple. L'espèce humaine, elle s'est, je ne dirais pas, elle n'est pas sortie de l'être, mais elle s'est penchée en dehors. Qu'elle est mise dans l'être, et mise, elle se regarde, elle s'est conçue, elle a une conscience de soi-même, elle a une conscience dramatique dell'autre, dell'altérité, une réflexivité, etc. Si, je ne veux pas faire, ce n'est pas un discours rationaliste ce que je fais, mais si, cette espèce qui n'est pas régie par un code génétiquement transmis d'auto conservation de l'espèce. Il perd tout repère possible. Là, il n'y a pas de feedback. Si le logos, le discours, il devient un amas de dialectes que se prend chacun pour espéranto, un amas de nouvelles langues, une espèce de tour de Babel de retour, un paradoxe continuel, parce que les jours que tout le monde dit à l'unisson la même chose, ma patrie sur tous les autres, et qu'ils le disent d'une façon parfaitement à l'unisson, ils vont s'entretuer tous. Et donc, tu penses qu'on va, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'espérance pour l'humanité? Non, alors je vais dire. Je vais dire ça, et je viens au dernier volet. Qu'il y a une crise du mental, on pourrait dire que ça s'est commencé avec les moments dans lesquels on met, par convention, le commencement de l'ère moderne. La dite découverte de l'Amérique. Avant, il y avait plusieurs mondes dans les représentations mentales, qui ne coexistaient pas et ne se faisaient pas la guerre, ils s'ignoraient. Il y avait des siècles et des siècles dans lesquels il y avait l'Empire romain, et en même temps il y avait l'Empire chinois, et en même temps il y avait les civilisations aztèques, etc. Mais chacun disait que le monde c'était le sien, non? Chacun disait, se définissait le peuple des hommes et les autres c'était des aliens. Mais je veux dire, c'est pas, on disait Finistère, c'était la fin, ça s'est terminé là-bas, non? Donc il y avait des chocs, mais il pouvait coexister donc des mondes, des logiques, des univers mentaux. Théoriquement, on aurait pu avoir d'un côté, que je ne sais pas, l'Empire chinois, on passait déjà dans les termes de la théorie de la relativité, che l'Empire romain, il passait dans les termes newtoniens, et che, je ne sais pas, les Mayas e les Aztèques, ils passaient en termes tolémaïens, que la Terre était plate, que, bon, je le dis pour blaguer. Il n'y aurait pas eu de choc, puisqu'ils vivaient chacun dans une sphère, il monde. Quand on a commencé ce que quelqu'un avait appelé la modernité monde, eh bien, toutes les logiques, ce n'est pas seulement
sì, che on appelle les races des ethnies, les humaines. Mais c'est les faux. Il y a aussi une histoire du mental. Toutes les logiques, autant que les religions, etc., toutes les catégories mentales, ils sont conscients l'une de l'autre. Il y a une espèce de synopsis généralisée. Et donc, ça crée les principes d'une espèce de. Oui, c'est un enrichissement, le relativisme culturel, la conscience, que... mais en même temps, ça peut être. Si ça devient paroxystique, comme dans les derniers 30 ans, par l'information, cette espèce de. Entre le vrai et le simulé, tu as toujours la sensation, c'est comme les satellites, d'un monitorage permanent, synoptique. Et tous les événements qui se passent à un certain moment sur toute la surface du monde. Et en même temps, comme les satellites qui peuvent savoir où tu te trouves exactement, tu peux avoir des blow-up qui en temps réel. Donc la globalisation, c'est aussi une localisation, puisque le local, au point de vue mental, c'est ce qui se passe, donc tu as le sens que c'est proche et contemporain. Donc, tout ça, c'est une gymnastique mentale faramineuse. Toute l'information qui est dans Internet, certes, il y a des possibilités d'enrichissement, comme le disent, par exemple, les post-opéraïstes, les gris, etc. Mais il y a aussi le risque qu'il y a une espèce d'overload général dans lequel le tout, ça ne revient à rien. C'est comme dans la nouvelle de Borges, l'homme qui avait une mémoire totale, toute cette mémoire, c'est tellement infini que c'est rien. Donc là, il y a un fondement dans le processus de ce qu'on peut appeler la modernité, l'économie monde, une mondialisation réelle qui est en marche depuis l'époque. Et aujourd'hui est arrivé en même temps à une espèce de microphysique molécularisée, chacun. Il a une vie matérielle et corporelle, et en même temps, il a toute une série d'autres vies. Sur Internet, sur Facebook. Donc, même les lisières. Même les lisières, en plus, entre ce qui est soi-disant vrai au sens matériel et ce qui est par contre simulé, chacun dit que. C'est que l'autre, autrefois on disait civilisation de l'image, aujourd'hui chacun accuse l'autre de faire de la désinformation et considère la sienne de la contre-information, mais après vice versa, c'est quelque chose de vertigineux. Alors, et d'ailleurs, ils sont rentrés dans la sphère de la marchandise, pas seulement etc., mais aussi les génomes humains, la production des rêves, l'imaginaire, la communication humaine, etc. Alors là, je pense qu'il faut considérer que ces choses-là, c'est un problème capital. Alors, si on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? C'est pas une bonne raison pour ne pas y penser. Parce que maintenant je viens au dernier volet. C'était un truc commun à toutes les postures, les théories et aussi les idéologies subversives révolutionnaires qui se prenaient comme telles, disons. Depuis le 19e, on considère cette période et on considère l'Europe. L'idée qu'en dernière analyse, il pouvait y avoir toutes les aliénations, les superstitions, les religions qui étaient aliénées des formes pour sortir de soi-même, mais en réalité, l'intérêt matériel direct, il était un élément qui pouvait arraisonner tous ces délires, crever de faim ou pas. Ou manger à sa faim, crever de travail ou pouvoir respirer, etc. Ça, à la fin, on était capable, donc, si des multitudes d'énormes, ils reconnaissaient en même temps qu'ils étaient si des
entre guillemets, individus singuliers, mais qu'il y avait des dénominateurs communs et qu'on pouvait créer une coalescence, c'est ça le mouvement révolutionnaire. Oui, mais j'ai dit qu'alors, il ne faut pas donner comme sûr et implicite qu'on soit capable de reconnaître son intérêt, parce que les formes d'aliénation peuvent devenir très profondes, que c'est pas spontané et naturel de reconnaître. Par exemple, moi je suis convaincu que la production et la reproduction, je ne pense pas du tout qu'il y ait un Big Brother, un illusionniste à mon tour, mais toutes ces bagarres dans l'opinion, que ça n'amène à rien, qui se produisent à tour de bras, pour lesquels des gens qui ont fait des parcours de lutte commune, de complicité, d'amitié pendant 20 ans, ils se retrouvent à se regarder en chien de faïence parce que l'un considère que l'autre est devenu un suppôt, je ne sais pas, de la modernité occidentale, et l'autre considère que l'autre est devenu un suppôt des antéchristes, etc. La reproduction à tour de bras de ces choses qui déchaînent une haine dont le dénominateur commun, c'est l'amour de la haine, comme si tu aimais être haineux par l'ennemi, par les cristaux, et puis par ton frère, contre une espèce de fiel généralisé de tous contre tous. En plus, ça puissant. Parce que moi, je pense que, point de vue du sujet, si on ne passe pas à l'acte, c'est encore pire. Si tu assassines l'autre, c'est grave. Mais si tu as le même degré de ressentiment, de rancune, et tu ne passes même pas à l'acte, c'est sûr que c'est plus suicidaire encore pour toi-même. Alors, réciproquement, tout le monde est comme ça. Alors, je pense que, par exemple, il ne peut qu'y avoir un sentiment singulier et collectif de vide, d'impuissance, qui crée une espèce de trou qui revient à ce que dans la psychologie clinique c'est le grand hystérique qui est tellement vide qu'il doit se faire des armures externes. L'absence de pratique, l'absence d'un sentiment du futur, peut dire espoir ou alors pari, il arrive à des points que je trouve vertigineux. Et moi je pense qu'à commencer par ce que j'appelle la camaraderie, mais disons les gens qu'on fréquente, on peut dire comme ça, on continue à fréquenter, il faudrait essayer de lancer un truc qui essaye de remonter la terre, la pente. Je vais dire ça. On avait dit autrefois que la haine, même tissu de peur, de souffrance, que l'exploiter, le dominer, le coloniser, pouvait avoir pour son oppresseur, son bourreau direct, non? C'est une base de la révolte. Mais que si on reste là, n'amène pas loin. On disait, il faut montrer que c'est pas que toi, tu es là, tout seul, et qu'il y a un monstre qui vraiment veut te détruire toi, parce que dans les cas les meilleurs, tu le tues. Mais c'est fini. Il faut montrer, on appelle ça la conscience de classe, qu'il y a des dénominateurs communs pour lequel il y a un ensemble humain qui vit à même condition. Et que la relation entre ton bourreau, exploiteur, patron et toi, ce n'est pas un truc qui tient de sa singularité, qu'il est méchant ou que tu es malchanceux, mais c'est un rapport social. Et que donc il faut transformer cette haine. Il y en a qui disaient dans une action politique revendicative, ou pour nous ça peut être une conscience d'une guerre sociale. Mais donc tu trouves des gens qui n'est pas identique à toi, mais qui, per ensemble,
et que dans la relation, ça peut être tes complices, soudales, frères, camarades, et d'autres qui sont de l'autre bord. On disait, c'était élémentaire, que sinon, la révolte, ça peut pourrir. Ça ne prend pas seulement lointainement être une subversion dans les faits, mais ça peut être aussi une énorme frustration. Tu peux être en serre, que toute ta vie tu es brimé, et puis un jour tu as l'occasion et tu poignardes comme Véronica Cobé, la femme qui après avait été défendue par Daniel Mitterrand, qui après avoir été servant d'un colonial violé pendant 20 ans, etc. Un jour elle l'a zigouillé. Bon, mais ça ne mène pas très loin. C'est une catharsis individuelle qui ne reconnaît pas qu'il y a un rapport social. Alors, j'ai dit que j'ai pensé que c'était pas une question de doctrinaire qui se mettait à faire les marxistes ou les anarchistes ou les anarcho-communistes, dire que quand nous est proposé à la Sauvette de se lancer, évidemment, quand nous est proposé à la Sauvette de se défouler, je ne sais pas, sur l'immigré ou sur les Roms, il faut déconstruire ça, sinon il n'y a pas possibilité qu'un type puisse aujourd'hui se déchaîner contre les immigrés en suivant un espèce de lépénisme corporatiste. Et qui demain, d'un coup, il s'apercevra, il prendra conscience, il fera la révolution. Nous, on commence depuis le début à démystifier cette aliénation. Autrefois, on parlait de l'aliénation religieuse, de s'embraquer dans une cuissarde, etc. Bon. Autant que ça, moi je pense que le fait des gens de se défouler contre des monstruosités et de réclamer la légalité, la justice, la punition par voie pénale de l'un ou l'autre, c'est une forme de diversion, d'aliénation, c'est une aliénation pénale. On a parlé d'aliénation religieuse, d'aliénation raciste, d'une aliénation légaliste et pénale. Si les gens réagissent tout le temps en disant Sarkozy, bling bling, ou Berlusconi, c'est pas vraiment la forme qui peut amener à une théorisation, à une analyse radicale, à une critique radicale qui peut bien comprendre quelles sont les tendances, la nature des relations sociales. Ils pensent qu'il y a simplement, alors aujourd'hui c'est Berlusconi, demain c'est un autre, et tout en branque derrière des drapeaux galvaudés qui te sont proposés par les concurrents en titre de Berlusconi, etc. etc. Tu peux même te lancer à dire vas-y, on fait une manif contre Sarko, mais ça ne peut pas être pour nous la grille d'interprétation du monde. Sinon, on s'inscrit au Parti Socialiste et on vote au BRI ou alors on prend et on passe à l'acte d'un tyrannicide. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors Alors, j'ai dit que remettre en discussion dans les réseaux de camaraderie toute cette espèce d'idolaforie, d'idées reçues, dans lesquelles le caractère commun, c'est que on voit annuler toute réelle autonomie de jugement, c'est capital. Si on ne peut pas être comme des espèces de chiffons à la merci de tout le monde, aujourd'hui le pape dit un mot contre l'avortement, alors on est tous justement contre le pape, mais on s'embranque avec les tenants de la laïcité de l'État, des trucs, etc. Demain, les maîtres du monde, disons, qui se réunissent au G8,
il esprime une politique contre qui a de la langue islamophobe, alors d'un coup, on se met derrière les gens qui disent que c'est leur culture, et donc on passe d'un laïcisme subalterne au laïcisme moderniste, citoyeniste, républicain, à un ethnoculturalisme subalterne, c'est une autre idéologie, et on devient comme ça, on s'embranle à être les gens qui radicalisent des combats qui sont complètement cyniques, renversés, non, c'est comme... Il faut avoir d'abord même des éléments clairs. Nous, on critique des relations sociales, donc si on critique les relations d'exploitation capitaliste ou les relations de hiérarchisation d'ordre étatique ou des aspects de la technique, on les critique en tant que tel. Ce n'est pas qu'on a cette peste identitaire. Tu sais, il y avait un certain type de staliniens, ingénieux, qui pouvaient te dire, oui, mais au fond, les gens que Staline fout en tôle, c'est des antellos, des parasites, des trucs, ben c'est... faut passer par là, la révolution, c'est pas indigné. Non. Tu avais beau lui dire que, grosso modo, le procès de Moscou, ils avaient éliminé radicalement tous les communistes de différentes tendances, etc. Mais bon, il voulait penser que c'était une affaire d'Artello, mais qu'en échange, on avait la santé, l'émancipation des femmes, des rythmes de travail possibles, la maison pour tous, etc. Mais celui-là, il s'est raconté des histoires, c'était une forme aliénée, vertigineuse même. Mais quand même, il s'est raconté des histoires. Mais si aujourd'hui tu parles à quelqu'un et tu établis que dans une usine chinoise que tu es en train d'examiner, il y a un degré d'exploitation qui mélange au niveau le pire. Et esclavagisme, corvée, surexploitation ultra-capitaliste. Que là, il y a des capitalistes au sens direct. Ou alors que la minorité ouïghouri, ils sont zigouillés, il y a la peine de mort, etc. Et que l'autre, il te dit oui, mais il faudrait pas le dire au nom de quoi. Alors là, la même chose, la raison pour laquelle on a commencé à s'appeler communiste, c'était l'exploitation capitaliste. Tu vois l'exploitation capitaliste? Oui, mais quand même, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis ou Israël, ou je sais pas quoi. Mais alors on devient les plus aliénés de tout. Donc c'est qu'en couleur, en drapeau. Et alors pourquoi là je pouvais dire que là c'est vraiment le simulacre? Comme des marionnettes, que c'est des faux que tu prends pour V au nom de quoi. Là, c'est l'identité. L'identité, on l'a déjà dit, c'est la forme estrême de la propriété. Tu n'as rien, au sens aussi, je dirais, purement spirituel, tu es révolté, mais tu es complètement passif. Donc tout se porte sur un truc qui est forme, c'est les morts, les célébrations. Beh, la bourgeoisie, et avant aussi tous les empires, ils ont toujours mis les soldats inconnus, toute cette espèce de mystique, du sang, du sacrifice, du mythe. Mais un mort, c'est pas toi. Un combattant qui est mort sur une barricade, lui, il est mort. Et toi, tu attires une espèce de noblesse, non? Tu pourrais être quelqu'un, comme les parents des victimes, qui utilisent la mort de leur père pour avoir un poste de député. Donc, il faudrait intervenir là-dessus d'une façon, en gardant toute la fraternité, mais en disant, comme ça, on vous montre
Se a qua mène tout cet amas de réflexes, de trucs, parce que ça nous semble que certainement tout ça n'a pas du caractère subversif, bien au contraire. Donc, c'est pas que quand on voit que on devient comme des endogamiques qui ont une caricature d'inimitié, une espèce de fiel contre tout le monde, même les copains de moi avant. Je ne suis pas irréaliste à dire qu'il faut s'aimer au moins entre camarades. Mais je veux dire, il ne faut pas seconder ce type d'attitude. Il y aura les jours dans lesquels on dit ce n'est pas pensable qu'une attitude qui prétendrait de bonne foi d'être un élément actif de la libération de l'espèce humaine puisse avoir tellement dans la tête un délire de propriété identitaire, de voir dans un type qui est à peine deux pas de côté, pas l'ennemi, parce que l'ennemi c'est une relation noble, mais une espèce de sous-homme, de diable. C'est comme quand tu es arrivé à l'idée, je le disais, il se passe une connerie un peu folklore, le 13 décembre, il y a un type qui, ça peut être un geste, ça peut être comme il l'a dit tout de suite lui, sa famille, un pétage de plomb, il y a un type qui, poussé aussi par tous ses climats, il s'achète un souvenir du Dôme de Milan et il le lance à Berlusconi. Bon, moi je pense que franchement, ça fait partie de la vie. Ça ne me scandalise pas et ça ne m'enthousiasme pas. Si je vois qu'il y a, à part tout ce qui se passe dans des sangs, dans les milieux de politiques, ça, on ne s'en occupe pas. Mais qui commence à se déchaîner, c'est le climat. Alors un type il dit voilà, c'est la haine personnalisée et il désigne avec les noms les responsables de la haine personnalisée. Et puis les autres, alors de nouveau la gauche. Il dit ah quelle horreur la haine personnalisée comment c'est per me et il décide et il désigne avec leur nom et photo les gens qui désignent des promoteurs de la haine c'est à l'infini bon mais ça c'est leur monde c'est pas notre problème je ne fais pas une question raciale qui considère que les ennemis des classes sont hors de l'humain mais je dis c'est pas mon problème mais bien sûr il y a un geste comme ça je trouve pas du tout génial le fait qu'il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui après au congrès de la camaraderie qui se précipitent à écrire dans Facebook 10 000, 10 000 tartaglia, c'est le nom de famille du lanceur de souvenirs, parce que franchement ça me semble une idée un peu infime surtout pour une chose, c'est pas tellement il y a eu des textes doctrinaires qui disaient tout ça c'est une diversion, moi je le passe par rapport à la lutte des classes, etc. C'est s'embranguer derrière les ennemis attitrés, l'autre fraction du monde bourgeois qui sont des ennemis de Berlusconi. Bon, d'accord, ça on l'a dit. Mais surtout ce qui me frappe, c'est que sur un geste si élémentaire, des milliers de personnes, ils puissent. S'il le trouve si génial, pourquoi il ne l'a pas fait? Tout le monde peut le faire. Donc, dans la condition d'être une espèce de tifoso, de supporter de quelqu'un qui le fait, c'est une condition de merde. Comment ne pas te sentir merdeux, avoir besoin de dire il faudrait 10 000 de ce type? Mais commence-tu à. Mais ce n'est pas une question de cohérence morale, c'est une question que sinon, il avait raison Castoriadis à dire que c'est une maladie de la volonté, tout ça. Si tu penses que c'est un bon geste, la première chose que tu devrais te demander, c'est comment ça s'est fait que tu as attendu qu'un autre le fasse pour pratiquer les cultes, d'accord? Mais là encore, le problème c'est que dans les tours de 24 heures, vu que le type, il s'excuse, il manifeste sono, je ne veux pas dire sono repentino,
e che eccetera eccetera, e che Berlusconi ha realizzato alla fin de fin monte en flèche dans les sondages, alors l'idée non ti fesse. Au moins tu avais un plaisir un peu plus bien comme ça, de t'identifier dans un geste qui lançait une pierre ou un souvenir. Non, après tu dois passer à dire que ce n'est pas possible que c'est vrai, qu'il est de tout un montage, que c'est Berlusconi qui s'est fait. Et pourquoi là j'ai vu le point d'arrivée? Parce que donc, je l'avais déjà dit, tu as besoin de penser, parce que pour rendre possible ça, il faut que tous les gens qui étaient autour, qui gueulaient contre Berlusconi avec un journal levé, c'était déjà des marionnettes dans les complots. Il faut que, donc, ce n'est pas seulement Berlusconi, les services d'ordre qui auraient préparé toute cette mise en scène, qu'à l'hôpital, il n'y a même pas un brancardier qui puisse avoir dit, mais non, c'était... Donc, ça implique le fait de voir que les humains, en grand nombre, sont des marionnettes. Donc, il y a l'idée qu'il y a un marionnettiste individuel ou collectif, un aéropage. Ça revient toujours à le principe du mal, le diable. Et puis, il y a des marionnettes. Que donc alors c'est la même logique qui fait penser à d'autres, ou peut-être à certains des mêmes, que les casseurs, les black blocs, ils ne peuvent qu'être des flics. Alors pourquoi pas Spartacus, pourquoi pas tous les insurgés du monde. Donc il y a un pouvoir tellement total qui fait jouer tous les parties dans la comédie. Et puis il y a les gens donc qui se révoltent, qui ne peuvent qu'être des marionnettes. Et puis il y a le troupeau de nous, qui nous sommes si bêtes de ne pas voir que c'est une évidence, que ce n'est pas possible, que c'est monté, etc. Et puis il y a une secte d'illuminés, c'est toujours l'ésotérisme, que c'est eux qui ont tout compris. Et tout ça maintenant, ça se passe avec la vitesse et l'intensité, parce qu'avant c'était des légendes métropolitaines, des superstitions qui se propageaient. Maintenant, tac, c'est des sites, des sites, des sites, les images qui montrent que c'est évident qu'il y avait pas assez du sang, que c'est faux, que ce n'est pas vrai. Donc, c'est vraiment une idée totalement mortifère. Et les gens qui disent ça, ils le disent en disant, ah, moi je suis... Un de peu, il y en a des très aristocrates qui ont tout compris. En plus, ils disent que c'est évident. Donc, la masse des gens, c'est bête et conformiste. Eux, ils ont compris. Et pourquoi faire? Pour dénoncer ça. Mais si c'est ça, la dernière chose, c'est se mettre à dénoncer. Il faut partir, il faut aller danser, il faut se soulever la gueule, il faut se suicider, je ne sais pas. Mais c'est... Donc ça introduit le soupçon que tout geste de révolte il pourrait être, donc le vrai, le faux, c'est tout aléatoire. Ça signifie que le réel n'a plus de consistance. Ça signifie qu'il y a une idée. Donc à la limite, si nous on voulait s'amuser, on pouvait dire, mais répandre cette idée-là, c'est que vous êtes des agents en répandant cette idée, les plus performants, les plus vertigineux de la destruction de toute possibilité de révolte. Alors là, on ne peut pas dire oh, c'est un détail marginal, ou alors s'il n'y a rien à faire, moi je veux dire, moi je ne peux plus, je ne veux plus vivre en composant par bonne grâce pour ne pas blesser personne, en faisant un petit rire de complaisance, car j'entends ce type de discours. Je ne sais pas, Giuseppe, tu me posais une question. Mais tout le monde ne le pense pas. Tout le monde ne pense pas, je veux bien. Sinon, mais heureusement. J'ai déjà tiré une balle. Oui. Mais j'ai dit donc on est, que ça se répand à une vitesse. Ça se répand très vite. Pandémique. Pandémique. Et que, tu sais, on parlait d'aliénation religieuse, de superstition. Mais ça, c'est le plus incroyable, parce que tu peux dire, je repense à la phrase de Lénine, je vais scandaliser des gens.
tout ce qui t'arrange, c'est vrai, même c'est hyper vrai, c'est tout ce qui ne colle pas avec ton schéma identitaire, tu dis qu'il n'existe pas, qu'il est faux, que nul n'en avait rien. Tu penses que tu veux dire que les camarades sont entrés dans... Les camarades, j'ai dit que c'est... Qu'est-ce que tu dis, l'humanité? J'ai dit que c'est une pandémie. J'ai dit que par moment, tu as la sensation que c'est foutu parce qu'en dernière analyse, c'est les discours, en dernier recours, si tu es plus répandu dans nos territoires existentiels. J'ai cette impression. En tout cas, j'ai dit une chose. Il faut plus faire mine de ne pas les voir parce que c'est une absurdité. Là, à mon avis, il faut... Ben, j'ai essayé de le faire avec, mais je ne vais pas maintenant, il est tard, avec cette émission à Radio Cannes le 12 décembre sur un point spécial. J'ai eu des réactions faramineuses qui se sont déchaînées. Tu sais, le plus paradoxal, c'est la réaction d'un type qui me donne raison. Je ne sais pas qui il est, de quel bord, du film PK. Mais pour me donner raison, c'est tellement le climat, il doit dire d'une façon vaguement affectueuse, moi je ne suis pas susceptible, c'est moi que je l'attire. Mais là, j'ai trouvé qu'il ne faut pas trop. Il prend des précautions pour faire comprendre au début qu'il est un type qui me connaît bien, qu'en même temps, peut-être qu'il le pense, ça c'est normal, qu'en même temps il trouve assez fatigant, insupportable, la façon que j'ai de parler et même de jouer l'accordéon. C'est pas grave, il peut ne pas l'aimer, mais s'il le fait pour pouvoir légitimer aux yeux du public qu'il prend, qu'il se dit d'accord avec mon truc, ça signifie qu'on vit dans un conformisme incroyable, que pour dire Joseph, il me semble qu'il a raison, il faut mettre en clair qu'on n'est pas ami de Joseph, qu'on n'a pas de l'estime pour lui, qu'on n'est pas ses groupies, etc. Mais surtout, il le fait d'une façon pas agressive, mais il dit, dans cette espèce de formule rhétorique avec laquelle il commence, oui, on peut faire beaucoup de critiques à Oreste, en plus je connais. Il y a par exemple un truc que je lui rapproche et que je ne supporte pas chez lui, qu'il s'ostine à appeler camarades des gens que je considère des charognards purs. Alors, si tu le suis, admettons qu'il est un anard identitaire et qu'il trouve que le fait que j'appelle camarade aussi des gens qui peuvent être un prolo, stale, etc., il le trouve insupportable. Ou vice-versa, qui est de l'autre bord, je pense pas. Donc, la grief la plus forte qu'il me fait, en anticipant, tu sais, je ne parle pas d'un fait personnel, mais je le prends comme symptôme, pour avoir le droit d'être écouté quand il dit que sur le point en question j'ai raison, et qu'il est d'accord. Lui aussi, s'il est d'accord et il a tous ses problèmes pour être d'accord avec moi, pourquoi il n'a pas pris l'initiative de le dire lui avant? Bon. Alors au moins il doit me reconnaître que j'ai la fonction de l'enfant qui dit le roi est nu. Tout le monde dit oh oui, mais on le savait. Vous avez pu venir. On le savait bien mieux que toi et on sait même de pourquoi, etc. Moi je suis un savant, tu es un gamin. Oui, mais tu n'avais qu'à le dire, non? Bon. Mais les rapproches qu'il me fait, c'est une certaine, parce que c'est une image que je suis trop ouvert, transversal et libéral. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je peux répondre à Misa. Moi, je trouve que, pour ne pas devenir fou, on appelle chacun tel qu'il s'appelle lui-même. Alors, tout ce monde-là, il s'appelle camarade.
Moi, je dis que, pas je dis camarade à moi, je dis camarade, comme les gens s'appellent les Italiens, je l'appelle Italien, il veut s'appeler comme ça. Donc, d'abord, mais qu'est-ce que ça signifie? Que lui, il considère que camarade, c'est un terme qu'il ne faut pas inflationner, et qu'il est légitime qu'il est attribué au vrai camarade. Donc il y a les vrais camarades et il y a les faux camarades. Il y a les vrais hommes et les faux hommes. Et ça revient à l'idée, en réalité, nazie des Untermensch. Mm. Il y a les hommes vrais et il y a les hommes faux, qui sont artificiels. Qui sont... Mais chacun qui raisonne comme lui, dans cette espèce d'amas de délire d'identité, pense comme ça, que lui c'est le vrai camarade, et ce type PK, il est un faux camarade. Alors c'est la folie. C'est là que tu arrives, par un truc apparemment de détail, au fond de la chose. Moi, je ne pense pas que c'est fini. Je dis simplement que c'est vrai que je ne sais pas quoi proposer, sinon commencer à écrire, à porter ce type de réflexion. Sans une espèce de crainte, de pudeur, de nous faire rigoler derrière, qu'il faut les introduire dans les débats. C'est pas grand-chose, mais je dis pas qu'il faut faire que ça. Évidemment, dans le même temps, ils émergent des choses matérielles sur le plan pratique, comme à Rossarno, on le fait. Mais je dirais que tout ce qu'on fait sur le plan concret, aller, je ne sais pas, moi je serai en Italie, mais à l'audience pour soutenir les insurgés, disons, pour dire, les révoltés du centre de rétention de Vincennes, ou aller faire, on le fait. Mais je me permets que de dire que tant qu'on n'aura pas essayé de remonter la pente par rapport à cette point auquel il est arrivé l'aliénation du mental dans les contextes qu'il a produit à tour de bras, mais même chez nous, tout ce qu'on fait, on doit le faire, mais c'est que faire de la résistance sociale, de classe. On, ça ne pourra pas être appelé quelque chose de révolutionnaire quand il est porté et après tu t'aperçois qu'il y a en même temps des choses très belles, une fraternité, une complicité, des moments dans lesquels tu retrouves la révolte, mais après tu laisses traîner cette espèce de malentendu, parce que ce malentendu, il faut s'y attaquer d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai essayé de le faire avec un crescendo depuis surtout les derniers 15 ans, et je vois que souvent, il y a des réactions de tout type, même... Parce que j'adorerais que quelqu'un me montre che peut-être c'est à mon tour un délire, une obsession angoissée. Mais non, on semble dire oui, voilà, mais c'est pas important. Et moi, je trouve que par contre, c'est important et qu'il faut trouver les formes pour remonter cette page. Je pense pas que c'est fini, je te dis, Non, mais ce que je comprends, c'est que. Qu'on s'est tous repliés sur des histoires identitaires. Et cette histoire... Oui, j'ai cherché, alors j'ai pensé, la catastrophe du mental de la forme actuelle du capitalisme. À l'intérieur de ça, dans le XXe siècle, il y a eu cette espèce d'énorme catastrophe qui était la contrefaçon du mot communisme et d'où les équivoques, les nouvelles langues, etc. Et puis j'ai pensé en même temps, bon, il y a tout le reste, mais... Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, il y a toute une espèce de discours courant, de slogans, de trucs, qui souvent c'est des idéologies de substitution d'une théorie critique radicale et d'une pratique radicale qui s'attaque au système monde, qui part de tous côtés, qui risque, tout en pensant d'être les plus radicaux, ultra, etc. Être embrangé derrière des choses qui ne nous appartiennent pas parce que on s'en aperçoit même pas et tout. Et puis j'ai trouvé qu'on arrive vers le fond et que je pose ces problèmes.
poursuivons nos pratiques. Ça ne sera pas moi qui j'ai dit non. Je devrais interrompre probablement pendant un an, ça me semblerait énorme, mais si tu as un légume comme un année, bon. Et d'accord. Il y a des pratiques de tout type, mais cette espèce d'énorme cancer, ou de peste, comme tu veux l'appeler, qui porte atteinte au mental, je le dis sans aucun mépris. En plus, le paradoxe, c'est qu'il m'accuse justement, je peux continuer à vivre la camaraderie, même s'il y a des trucs de l'Esquattari, il disait, tu vois que même les révolutions moléculaires, les minorités qui s'affirmaient, c'était sur une ligne sottile, dès qu'il devient corporatiste, ça peut devenir le contraire de soi-même, à l'espèce de microfascisme. Bien sûr, tu réclames un truc assez spécial de ta singularité minoritaire, homologue à l'État, ça c'est fort, hein? Mais il faut que tu aies conscience que peut-être ça anéantit ton voisin petit autant que toi, donc il faut... si tu dis « c'est mon droit, je ne sais pas quoi », un moment, quand on était sérieux, si on affirmait quelque chose comme un droit, par définition, on était prêt à prendre les armes pour l'affirmer. Alors, prendre les armes contre les Molochs, c'est très bien, mais il faut avoir considéré que cette affirmation du droit, que peut-être il est dite d'une façon très gentille et citoyenniste, ça peut conculquer à la racine des formes de vie à côté. Donc moi, je n'aime pas le terme « mon droit », pas « mon droit » pour beaucoup d'autres raisons, mais c'est mon expression, c'est ma forme de vie, très bien. Mais il faut avoir une conscience aiguë de la compatibilité entre les formes de vie, donc elles sont compatibles, etc. Donc je dis, tout ce terrain du mental, des formes mentales, aujourd'hui en plus, je ne pense pas que Internet, plus les portables, plus les formes techniques, ils créent des trucs. Mais certes, que des... Je sais pas, des courants aliénés, superstitieux, on a dit oui, se sont toujours produits, et puis tout ça, ça se décante quand il arrive, belle, la lutte des classes, la subversion. Oui, mais c'est pas anodin qu'aujourd'hui, tout ça, même les délires les plus, ils ont une vitesse qui frise le temps réel, une intensité, et que peut-être des délires de café de commerce, pire. Ils trouvent toujours, ils se nourrissent d'une quantité de sites sur Internet, ils s'expriment, après ça devient que tu demandes à quelqu'un, mais qui t'a dit ça? Il dit, je l'ai trouvé sur Internet. Il y a cette espèce de multiplication pandémique d'un type de dispositif que c'est celui-là classique des sectes, les sectes au sens avec toutes les logiques. C'est pas le sectarisme, le bon sens sectarisme d'antan. Dans le New Age, moi, je trouve... Alors, je trouve quoi? Que si j'ai pensé que cette pandémie s'est généralisée, bon, je laisserai tomber. Si quelqu'un me dit oui, mais ça concerne peut-être, je ne sais pas, 300 000 personnes qui se prennent pour le docteur du monde, il y a, bah oui, mais je n'ai pas tellement l'occasion, alors il faut chercher, je ne sais pas qui... qui est indemne de tout ça, il faut aller en Bolivie à supposer. Donc, non, je vais dire, il faut commencer à pointer les pieds et de dire ça non, on ne peut pas laisser passer n'importe quoi, etc. Bien sûr, au moins, comme l'aurait dit l'autre, c'est définir, avoir une position qui dise tout ça, nous on peut être 3, 4, 5, 1, tout ça. Franchement, avec toute l'affection, sans mépris, avec quelque chose de beaucoup plus radical qu'un désespoir, on considère qu'il n'a rien à foutre, ni avec la révolution, mais même pas avec la révolte, au sens, bon, peut-être il n'y a pas révolution, mais où on est révolté, où ça ne vaut pas le coup de vivre. Oui, mais il y a des trucs qui, franchement, ou alors, à la limite, dire, bah écoutez, moi, je ne sais pas, pensez de moi ce que vous voulez, ouais, mais moi, je ne peux pas.
écouter tout le temps ce type de trucs sans lever les doigts pour dire pour moi cela c'est une vraie forme de suicide humain. Il reste 3 minutes si tu veux leur poser. Donc tu vois à la fin, c'est la montagne qui accouche les souris. Qu'est-ce que je propose? De dire si cela. Mais sinon, alors, je ne sais pas, quand les gens se mettent à gueuler parce qu'il y a des ralents racistes, des ralents négationnistes, des ralents machistes, des ralents. Alors tout ça c'est super structurel, tout ça c'est culturel, en plus qu'est-ce que ça nous fout, il y a, on parle, on fait des débats, on y participe. Et alors je demande si c'est que je mets en évidence, que j'appelle aliénation pénale, lecture de faits par cette idée du complot et des marionnettes, etc. Si il mérite une espèce de point de prise de position, un travail qui ne fait pas de concessions, même sans trop d'espoir au début. Et c'est ça que je demande. C'est pas que je dis il faut se mettre à faire ça. Non, je dis il faut faire aussi ça, parce qu'il me semble que sinon. Je comprends. Mais je pense qu'on peut le faire, ça, non? Il faut espérer, en tout cas. Ouais. Il faut trouver des formes, parce que bien sûr. Oui, mais après, je peut-être que sur des propositions, sur des éclaircissements, sur un travail commun, peut-être que ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, on va le prendre. Si repartir en disant, si l'identité substitue, remplace la critique radicale et l'action subversive, bah, l'identité serait vraiment la forme la pire des propriétés. Bien sûr. Qui t'empêche, tu ne peux plus. C'est même pas pensable être révolutionnaire si on a dans la tête ces gros mots propriétaires. Qui se présente comme idée, comme pensée, mais il ne l'est pas, c'est de la propagande de ton identité. Et c'est du fiel contre tout ce qui lui porte attente. Non, mais je pense que c'est une bonne conclusion.